et à tous, je suis Nathalie Chargy, chargée de mission Aménagement durable centralité de la Dréal Bretagne, et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin dans ce webinaire du cycle d'animation Les territoires innovent pour des centres vivants. Et Simon l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un cycle d'animation porté en partenariat par l'État, le Conseil régional Bretagne, l'Établissement public foncier de Bretagne et la Banque des territoires. Je vous accueille donc au nom de ces partenaires aujourd'hui. Donc, ce cycle d'animation qui est dédié au dynamisme des centres-villes et centres-bourgs s'articule avec un autre cycle d'animation également porté par les partenaires régionaux et en faveur de la sobriété foncière, cette fois en Bretagne toujours. Les deux cycles en question ont vocation à permettre le partage d'expériences des territoires et leur montée en compétences sur les différentes thématiques en lien avec les centralités et la ressource foncière. Le webinaire en question s'inscrit dans une programmation annuelle de 6 webinaires. Celui-ci est le troisième de l'année 2023. Et tous les webinaires sont enregistrés, disponibles sur une chaîne dédiée au territoire innov sur YouTube, avec un ensemble de ressources qui sont produites, sur lesquelles nous reviendrons en fin de webinaire pour vous donner les espaces sur lesquels retrouver toutes ces capitalisations et tous ces enregistrements de webinaires pour les rencontres des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc, je reviens sur la rencontre qui nous rassemble aujourd'hui. Elle s'intitule « Opération programmée d'amélioration de l'habitat en Bretagne », un outil de l'ANA pour agir sur la réhabilitation du parc privé. Et si ce sujet vous est proposé, c'est parce que nous faisons face actuellement à une tension accrue sur le marché du logement en Bretagne. Cela dans un contexte de mise en œuvre du zéro artificialisation net. Or, il se trouve que le parc privé de logement, qui est situé en centralité, doit être au cœur de la réflexion sur la reconquête territoriale. Il se trouve que l'ANA a développé des outils qui permettent la reconquête de ce parc et que leur déploiement devrait s'accélérer dans les prochaines années en s'étendant à de nombreuses nouvelles communes et intercommunalités. Je reviens un tout petit peu sur l'outil OPA-RU, Opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain, car il existe depuis 2002. Relativement récent, mais pas tant que ça finalement. Et ce nouvel outil, à l'époque, est venu compléter le panel des OPA existantes pour renforcer l'action sur l'habitat en cœur de ville, qui nécessite le recours à des dispositifs d'intervention supplémentaires dans les domaines fonciers et immobiliers par rapport à ce qui existait au préalable, et qui nécessite également la mise en œuvre d'outils coercitifs pour lutter contre l'insalubrité et le péril. Cet outil, OPA-RU, mobilise les subventions majorées de l'État pour les études préopérationnelles et la conduite d'opérations. Vous verrez un petit peu de quoi on parle au fil des témoignages. Cet outil a été déployé dans un premier temps sur des villes moyennes, en particulier dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, et son déploiement s'est récemment élargi aux petites villes, en particulier sur les territoires engagés dans le programme Petites Villes de Demain. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, vous le savez déjà, nous nous appuyons sur l'expérience de collectivités bretonnes pour vous permettre de découvrir ou d'approfondir le sujet du jour selon votre connaissance du sujet. Nous vous proposons donc de nous pencher avec nos témoins sur les questions suivantes. Quels sont ces outils, les OPA-RU en particulier, et comment sont-ils utilisés actuellement par les collectivités territoriales bretonnes? Quels résultats permettent-ils d'obtenir? Mais également, quelles sont les interactions avec d'autres dispositifs en faveur de la ville durable et des centralités? Je remercie par avance les témoins du jour qui ont accepté de partager leur expérience sur ce sujet, mais aussi ceux qui ont accepté de répondre à nos interviews écrites en complément, que vous pourrez retrouver sur nos espaces de capitalisation. Tous ces témoins contribuent avec leurs interventions à une montée en compétence des autres territoires sur le sujet, c'est important. L'animation du webinaire est assurée par notre prestataire Auxilia Conseil, en la personne de Simon Pouillot, qui est appuyé par Simon Korn, avec qui je vous laisse, et je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Bien, merci Nathalie. Très belle introduction, je n'aurais pas dit mieux, et ça permet, après ces quelques précisions sur cette thématique OPA, de vous proposer un petit quiz introductif, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être un peu plus participatif de vous apprendre un petit peu les grands éléments de contexte sur ce sujet. La première question, je te laisse la poser, Simon. Alors, la première question porte donc, pour introduire sur la date de création de l'ANA, qui va nous intéresser tout au long de cette matinée, en vous demandant tout simplement quelle est la date de création de l'ANA avec trois possibilités, 1971, 76 ou 86. On voit que vous êtes déjà bien parti et que vous avez un peu de mal à vous décider. C'est bien, les choix sont bien répartis et pourtant, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Je me souviens que moi, j'ai pu travailler pour l'ADEME, que l'agence de la maîtrise de l'énergie à l'époque, c'était juste après les chocs pétroliers. Je ne sais pas du tout si l'ANA a suivi le même parcours ou pas. J'aurais tendance à dire 1976, mais je vois que ça tend plus vers 1986 parmi tous nos participants. Écoute, on est à 80% de répondants. Ouais, je pense qu'on a une bonne tendance qu'ils essaient, donc je vais mettre fin au sondage
et je vous partageais donc les résultats. Et donc, la bonne réponse, Simon, tu voyais juste, c'était pas du tout ça, c'était 1971. Et oui, tu croyais avoir bon, mais pas du tout. Donc, étonnamment, c'est la réponse la moins donnée, mais c'est vraiment un organisme très ancien. Voilà, avec une mission particulière qui est donc sur l'amélioration assez large du logement du parc privé à destination des publics modestes. Et donc, avec quatre priorités qui sont déclinées comme ceci, donc lutter contre l'habitat indigne et dégradé, contre la précarité énergétique, aujourd'hui c'est ce qui intéresse beaucoup dans les politiques publiques notamment, prévenir et traiter les copropriétés en difficulté ou fragiles, une cible assez particulière, les copropriétés, et enfin adapter les logements à la perte d'autonomie due à l'âge ou au handicap. Je Eh pense qu'on peut passer à la question suivante. bien, merci. Écoute, j'ai appris quelque chose. Je ne pensais pas qu'il y avait un historique aussi important en termes d'agence. Je pense que c'est une des plus anciennes, du coup, qu'on peut retrouver pour accompagner les collectivités. Question 2. Alors, la question 2 va porter sur les OPA thématiques. Avec donc, cette question, je vais lancer paf, la deuxième question, pardon. Laquelle de ces OPA thématiques n'existe pas? Donc, vous avez l'OPA renouvellement urbain. Si vous avez écouté Nathalie tout à l'heure, vous avez déjà des indices. OPA revitalisation rurale, OPA commerce vacant et l'OPA copropriété dégradée. Alors, effectivement, si j'en crois l'introduction que j'ai donnée avec la présentation de trois OPA RU, ceux qui répondent la réponse 1 vont être exclus. Mais j'ai un petit doute entre revitalisation rurale et commerce vacant, parce que j'ai déjà pu accompagner des OPA copropriétés dégradées. Et j'ai l'impression que la salle tend. Je pense que là, ça se dessine et que les participants n'ont pas autant de doutes que toi, Simon. Avec donc les commerces vacants qui sont largement plébiscités. Donc, je pense qu'on peut afficher la bonne réponse sur la slide suivante. Et Ah, c'était c'est en ça. effet les commerces vacants, qui est l'OPA qui n'existe pas. Et donc, pour préciser, donc, que chaque OPA, ça se matérialise par une convention qui est signée entre l'État, l'ANAH et la collectivité contractante. Et donc, il y a toujours une durée de 3 à 5 ans. Et donc, cette convention, on y reviendra un peu plus tard, mais elle présente le diagnostic, les objectifs, les financements et aussi les engagements de chacun des signataires. Ok, eh bien, Question continuons. suivante. C'est une question un peu plus locale maintenant. Connaissez-vous bien votre région en parlant des OPA? Parce qu'on va se demander quels sont les départements qui sont entrainement couverts par des PIG habitat indigne. Et là, attention, il y a potentiellement plusieurs réponses possibles. Est-ce donc les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan ou le Morbihan, puisqu'il y a évidemment peut-être plusieurs réponses possibles. Là, j'avoue que je sèche un peu. Je sais qu'il y a, je crois qu'il y a un PIG départemental, mais j'ai un doute sur lequel des départements. Donc, ça voudrait dire qu'il serait entièrement couvert, forcément. Par contre, après, avec l'ensemble des OPA territorialisés, j'ai du mal. Qu'est-ce que, oh là là, je vois qu'en plus, au niveau du public, tout le monde hésite. Tout le monde hésite. On arrive à 90 répondants. Je vais mettre fin au sondage. Et en effet, il y aura le Finistère et l'Ille-et-Vilaine qui ressortent un peu. Et la réponse était sur la slide suivante, le Morbihan Ah. et les Côtes d'Armor. Étonnamment, ce sont les deux qui sont les moins plébiscités. Et je pense que je laisse Simon mettre la carte, tout simplement. Donc, il y a 45 conventions actuellement en vigueur en Bretagne, avec notamment donc, 13 OPA, 18 PIG, 9 OPA-RU et 5 OPA commerce dégradé, je crois. Copropriété dégradée. Copropriété dégradée, pardon. Et donc 70% de la Bretagne est couverte. Et on voit la carte sur la slide juste Et après. c'était donc bien le Morbihan qui avait un pic départemental. Ok, c'est plus Voilà, tu peux clair. le voir ici. Oui, on voit que finalement, les territoires qui sont encore tout blancs commencent à se réduire avant, au pot de chagrin. Et que surtout, certains territoires cumulent à la fois du pic, de l'OPA. Et que donc ça peut être complètement complémentaire.
Eh bien, Exactement. c'est noté. Et donc, on Ça va maintenant, permet. après avoir passé le constat, questionner la dynamique, puisqu'on va se demander combien de nouvelles opérations programmées sont prévues, ont été faites en 2023. Et donc, vous avez le choix tout simplement entre trois réponses, 10, 20 ou 30. Et il n'y a là qu'une seule, évidemment, qu'une seule réponse possible. Des nouvelles opérations programmées. Ça me paraît des chiffres énormes, 10, 20 et 30. Après, je sais qu'avec les nouveaux programmes, toutes les opérations cœur de ville et petites villes de demain, potentiellement, il y a une grosse communication qui a été faite, beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt. Donc, j'ai envie que tu nous donnes la réponse. Eh bien, tout simplement, je pense que tu as une bonne intuition, puisque bon, le public pense plutôt 20, potentiellement 10, mais en effet, tu as un élément de réponse sur le dynamisme de ces nouveaux dispositifs, puisque la réponse était 30. Et en fait, justement, bah, avec tous les Bah, nouveaux c'est ça. programmes, ça booste tout simplement une nouvelle programmation. Une nouvelle opération programmée, pardon. Je ne pensais pas que ça allait jusqu'à 30 sur un territoire comme la Bretagne. Ça me paraît absolument fou comme dynamique. Alors, on passe à l'avant-dernière question. Et cette fois, on va questionner justement ce qu'on a vu tout à l'heure sur qu'est-ce qui compose finalement une OPA, un PIG. Et là, on va poser cette question. L'étude préopérationnelle en amont d'un PIG ou d'une OPA, c'est facultatif. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va se répondre là, c'est assez rapide, c'est vrai ou faux, une seule réponse possible. Et ça répond très rapidement faux. À mon avis, Simon, tu as plutôt la réponse, hein. Ah, je ne sais pas, il peut s'avérer que l'ensemble des participants soient dans le doute et qu'ils se soient connectés aujourd'hui justement pour apprendre plein de choses. Mais C'est assez unanime. Donc, je vais mettre rapidement fin au sondage, puisqu'en effet, il y a le faux qui se dessine. Et sans suspense supplémentaire, la réponse était faux, évidemment. Puisque bon, tout ça, c'est cadré par une circulaire, évidemment, donc de 2002, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure. Et donc, parmi les conditions mises en place, il y a celle d'un périmètre d'intervention, d'une opération et avec une stratégie. Et tout ça, c'est justement dans cette étude préopérationnelle qui est donc indispensable pour lancer le programme. Ok, donc je vois que le déploiement est quand même très très conditionné et qu'il engage le territoire, vu que quand on se lance, c'est qu'il y a en amont eu toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire auprès de quel type de bâti, avec qui, et que ça embarque une stratégie, c'est une vraie politique publique. Bon, eh ben merci beaucoup. Et on a une dernière question. Oh, mais il y en avait encore une. Ben oui, mais oui, mais oui. On Ah, en a une mais... dernière. C'est la question 6. Sur un outil un peu complexe, au moins par sa dénomination, qui est donc le Reach in Ori. L'ANA peut mobiliser des outils d'intervention spécifiques comme le recyclage foncier. Et que signifie donc ce terme de Reach in Ori? Et vous avez trois possibilités. Donc la résolution de l'habitat indigne et le traitement de l'habitat isolé et réduction des opérations de... Restauration immobilière, il y a écrit. Ouais, c'est ça, mais c'est coupé pour moi. J'espère que ce n'est pas pour vous également. Il faut absolument regarder ça sur le diapositive. La résorption de l'habitat insalubre et le traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière. Et enfin, la réduction de l'habitat insalubre et traitement de l'habitat indigne pour la rénovation d'opérations de réduction de l'indignité. J'avoue que tout se ressemble. Je pense que tu t'es amusé à essayer de trouver tous ces intitulés. C'est très Ouais. subtil. Pour autant, il y a quand même la deuxième option qui est largement plébiscitée. Donc, il y a des idées qui, enfin, on va dire qu'il y a des personnes qui ont déjà une idée bien arrêtée. Je vais mettre fin au sondage. On arrive à 83 répondants. Et Simon, je vais te laisser. Alors, c'était quoi la vraie réponse? La réponse, c'était bien justement la réponse, enfin, la réponse B, pardon, sur donc résorption de l'habitat insalubre et traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux, et les opérations de restructuration immobilière.
Ok, Donc, donc là, pour on est savoir. vraiment sur de l'opération qui concerne des gros travaux, vu qu'on touche à des questions d'insalubrité, d'indignité. Donc, je comprends mieux, d'accord. C'est dans le cadre du relogement. Bon, eh bien, c'était bien la dernière cette fois. Tout Je à ne me fait. trompe pas. Eh bien, merci. Merci pour ces éléments d'information qui me permettent de vous apporter de façon un peu ludique ces quelques critères de contexte. L'intérêt, évidemment, aujourd'hui, c'est de faire parler des opérationnels et de questionner un petit peu le portage politique et les services qui ont pu mettre ça en place sur les territoires. Et c'est pour ça qu'on va donc laisser la parole à notre premier territoire, donc la communauté de Lesnevin, si je le prononce bien, Côte des Légendes, qui s'est récemment engagée dans une OPARU. Alors, on a deux personnes à nos côtés. C'est Raphaël Rapin, qui est le vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de la prévention des inondations. Et il est accompagné de Jeanne Fauvel, qui elle est chef de projet Petite Ville de demain. Et si ils sont bien Bonjour. connectés, vous devriez les voir apparaître et les Bonjour. entendre. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être parmi nous. Eh bien, maintenant, c'est à vous de jouer. Je passe les slides dès que vous me le disiez et je vous laisse évidemment commencer par présenter votre territoire. Bon, on va pouvoir commencer à passer à la slide suivante, justement, ce qui permettra de présenter un peu le territoire, donc le contexte. On est aujourd'hui finalement dans un pays de Brest, hein, donc avec un SCOT aujourd'hui en exercice. Hein. Donc on fait partie de l'une des 7 communautés de communes du pays de Brest. On est une communauté de communes qui représente à peu près 200 km², 28 000 habitants, 14 communes. Voilà, avec finalement un bassin d'emploi qui est essentiellement sur la communauté de communes de l'Esdemain Côte des Légendes. C'est une des particularités justement de notre communauté de communes sur l'ensemble du territoire du pays, dans la mesure où le pays, effectivement, le bassin d'emploi est plutôt la métropole de Brest. Donc voilà, une des particularités d'abord, c'est d'avoir ce bassin d'emploi. La deuxième particularité, donc du coup, c'est d'avoir effectivement une centralité, l'Esnevienne, le Folgoat, où on concentre pratiquement une bonne moitié des habitants, presque, voilà, un peu plus de 10 000 à 12 000 habitants. On y retrouve l'essentiel de l'habitat aussi, malgré le fait qu'on ait certaines communes rurales aujourd'hui où la démographie a quand même pas mal augmenté. Et la grosse difficulté de la centralité aujourd'hui, c'est d'avoir à résorber un certain nombre de logements. On y compte rien que sur l'Esnevin, un peu moins de 500 logements vacants. Un certain nombre de commerces aussi qui sont aujourd'hui vacants. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante pour indiquer qu'on travaille depuis quelques années quand même. Hein, au sein de la communauté de communes à travers différents outils, le PLH, qui déjà en 2018, qui est toujours d'actualité parce qu'il allait jusqu'en 2022, mais dans le cadre effectivement de l'élaboration du PLUI, sera intégré au PLUI qui sera normalement arrêté dans les jours qui viennent. Donc un PLH aujourd'hui où on avait effectivement déjà repéré cette difficulté hein, de pouvoir, à travers une OAP, essayer de reconquérir le parc existant et plus particulièrement le parc privé. Hein, voilà, donc une vraie problématique sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes et en particulier, effectivement, sur la centralité lesnevienne le Folgoat. On a effectivement, à travers ce qui est entre guillemets réglementaire, ça a été affiché tout à l'heure lors d'une question, fait une étude préopérationnelle et on s'est aperçu qu'effectivement, on avait besoin de renforcer notre OPA par du renouvellement urbain qui donne effectivement des outils à la main de la collectivité. Hein. Ça a été rappelé tout à l'heure par Madame Chargy, pardon. Et donc, on s'aperçoit qu'on avait besoin d'un certain nombre d'outils et qu'on les partage. Là-dessus, c'est quand même positionné une autre politique, Petite Ville de demain, hein, avec l'ORT aujourd'hui qui est venue
consolider une partie du territoire qu'on verra tout à l'heure de la centralité de la communauté de communes. Et je passe la parole à Jeanne. Alors, peut-être pour compléter ce que disait Raphaël, en fait, le programme Petite Ville de Demain aussi pour la communauté de communes, il a été l'occasion de renforcer l'équipe du service aménagement de la CLCL pour aider au pilotage de l'OPA-RU, parce que c'est important que les services soient relativement bien structurés du côté de la maîtrise d'ouvrage également. On peut passer à la slide suivante. Là, l'objectif, c'est de vous présenter un peu les différentes étapes par lesquelles on est passé avant de lancer, d'entrer dans la phase opérationnelle de notre OPA-RU. Donc, il y a eu d'abord une étude pré-op qui a duré une année, démarrée en octobre 2020 jusqu'en septembre 2021, au cours de laquelle le bureau d'études qui avait été engagé a réalisé un diagnostic du centre-ville de Lesnevin, une analyse très fine du marché de l'immobilier, que ce soit les ventes, le marché locatif. Ils ont aussi analysé plutôt les caractéristiques de la population. De cette phase de diagnostic, ils ont proposé une stratégie d'intervention qui a été testée sur certaines adresses et immeubles qui avaient été repérés au moment de la phase de terrain. Et ça a permis de définir un programme d'action. Et en fait, ce programme d'action, ça a été vraiment à la base pour après rédiger la convention. L'étude préopérationnelle a permis aussi de dimensionner les impacts financiers pour les différents partenaires qui allaient ensuite signer la convention. Donc, à la fin de l'étude pré-op, deux, trois mois après, on a commencé à rédiger cette convention multipartite entre l'ANA, le conseil départemental, la communauté de communes et la ville de Lesnevin. Ça a pris un certain temps parce qu'en fait, on a dû s'adapter au fur et à mesure des changements de politique nationale et locale. Par exemple, au niveau de la politique nationale, il y a eu un changement du loyer abordable vers le loc avantage. Donc là, nous, on a dû s'adapter en cours de rédaction pour le prendre en compte. Et aussi, au niveau des partenariats financiers, avec le renouvellement des élus du conseil départemental, il y a eu un changement de paradigme sur les financements apportés. Et donc, alors qu'auparavant, c'est une politique d'habitat très propre, maintenant, les financements des OPA-RU passent par le PAC Finistère 2030. Et donc là, c'est pareil, il y a eu un moment de flottement et d'incertitude, ce qui fait qu'on a dû s'adapter en cours de route. Ça ne nous a pas empêché, en parallèle de la rédaction de la convention, de préparer l'appel d'offres pour lancer notre marché, pour recruter un opérateur du suivi animation. Les collectivités, elles peuvent faire le choix de faire ce suivi animation en régie ou d'avoir un prestataire. C'est quand même intéressant d'avoir un prestataire parce que là, nous, ça nous permet de nous appuyer sur une équipe pluridisciplinaire qui est très étoffée, où il y a des chefs de projet, des architectes, des ergothérapeutes, des ingénieurs du bâtiment, des spécialistes de la lutte contre l'habitat indigne, des experts aussi juridiques, ce qui sont des compétences qu'on n'a pas de façon aussi poussée au sein de notre communauté de communes. Donc, voilà pour le choix de la communauté de communes de faire un appel d'offres. Donc, comme le montant du marché était supérieur au seuil européen, on a dû passer en appel d'offres et ça a pris un certain temps. En interne, on a fait le choix, donc, après la phase des candidatures, de faire passer des auditions aux trois candidats qui avaient répondu à notre appel d'offres. Parallèlement à cela, donc au mois de mai, une fois que la convention était aboutie, au mois de mai 2022, donc ça fait un an, les différentes collectivités ont délibéré. Donc là, au mois de mai, ont délibéré la communauté de communes au sein de son conseil communautaire et la ville de Lesnevin au sein de son conseil municipal. Le conseil départemental a également délibéré de son côté et l'ANA avait également acté une décision. Suite à ces délibérations, il y a un mois de mise à disposition du public de la convention pour que toute personne puisse en prendre connaissance du contenu. Donc la convention, elle détaille les différents volets de notre opération. Nous, en termes de volets, donc on a le volet urbain que je développerai tout à l'heure, le volet foncier, un volet immobilier, un volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé. Un volet copro en difficulté, qui est moins un sujet prégnant sur notre territoire, mais qu'on a maintenu quand même pour une copro en particulier. Il y a un volet rénovation énergétique,
et volet travaux pour l'adaptation de l'habitat pour, en vue de la perte d'autonomie. Et également volet social et volet patrimonial et environnemental, puisqu'on est sur un centre-ville où il y a un périmètre des abords, étant donné le classement en monument historique du clocher de l'église. Donc, au mois de juin, si je reprends la chronologie, on a arrêté le choix de notre prestataire de suivi animation. Donc, c'est donc Urbanis, avec qui on a passé un marché pour 5 années. Et on a signé officiellement la convention en juillet pour démarrer en septembre 2022 les différentes actions. Donc, ça a été intéressant d'avoir l'été dernier, là, juillet-août, pour caler avec Urbanis les différents éléments de communication et réunion de démarrage pour que dès début septembre, on communique auprès des propriétaires et de l'ensemble des partenaires de notre territoire sur cette opération. Vous pouvez passer à la slide des finances. Là, en termes d'objectifs, notre convention, elle a pour objectif de rénover 145 logements, donc selon des volets différents. À la fois, donc on a un objectif pour les travaux d'économie d'énergie, donc 18 logements. On vise à rénover 10 logements, enfin à adapter 10 logements pour maintenir la vie à domicile pour le vieillissement et le handicap. Ça, c'est des objectifs qui croisent notre OPA plus global qu'on partage avec le territoire de la CCPA et de la CCPI. Ce n'est pas propre à l'OPA RU. Sur notre OPA RU, il avait été constaté un manque de logements locatifs à des prix abordables. Donc là, on a un objectif de faire conventionner des propriétaires privés avec l'ANA dans le cadre du dispositif Loc Avantage et dans le cadre de travaux de rénovation. Donc là, on vise la rénovation de 35 logements pour après avoir des loyers abordables via le Loc Avantage. Donc, comme je vous le disais, on a une copropriété qui est visée, qui doit faire l'objet de travaux de rénovation énergétique de façon très globale. Ça concerne 30 logements. Mais là, avant d'arriver à la phase travaux, il faut d'abord travailler avec la copro sur sa structuration administrative, notamment faire valider les différentes étapes par la copro sur leur accord à aller vers ces phases de travaux. On lance une campagne de ravalement de façade aussi pour avoir que l'OPA RU ait un impact depuis l'espace public. Donc là, on vise le ravalement de 35 façades. Ensuite, vis-à-vis de la problématique du logement vacant qui avait été identifié, on espère donc sortir 50 logements de la vacance sur les 491 qui avaient été identifiés sur l'ensemble de la ville de Lesnevin. 20 d'entre eux bénéficieront d'une prime octroyée par la ville de Lesnevin. Et par ailleurs aussi, il y a une animation plus renforcée sur des immeubles qui ont été identifiés comme indignes ou très dégradés, où là, actuellement, on n'a pas encore cette expérience, du coup, puisqu'on démarre, mais l'idée, ça va être peut-être d'utiliser des outils coercitifs pour les sortir, pour les faire rénover et créer donc du nouveau logement. Donc là, il y a une animation renforcée sur 25 immeubles. Après, on va resserrer l'action sur une dizaine uniquement. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante. Où là, l'idée, c'est de montrer un peu les différents volets qui interviennent dans une OPA RU, donc qui sont au nombre de 4, du volet préventif au volet curatif. Et ça dépend en fait le niveau de fragilité de l'immeuble. Des immeubles qui sont un peu fragiles, mais sur lesquels il y a encore l'initiative privée peut encore faire changer les choses. On est plutôt sur le volet préventif et notamment une action de veille foncière. Là, ce qui est mis en place dans le cadre de notre PARU, c'est qu'à chaque DIA qui est émise, donc la mairie reçoit les DIA, elle propose une visite avec Urbanis, donc avec le vendeur, l'acquéreur, l'agent en charge de l'urbanisme à la mairie et Urbanis. Et donc là, l'idée, à la fois pour notre opérateur, c'est de pouvoir entrer à l'intérieur des immeubles, voir l'état des lieux, visiter les parties communes aussi, pour donner des premières préconisations à l'acquéreur sur les travaux à effectuer. Alerter, voilà, s'il y a des choses qui n'avaient pas forcément été identifiées, alerter, mais aussi expliquer en face toutes les aides auxquelles le propriétaire acquéreur, le futur acquéreur, peut avoir le droit pour réaliser ses travaux. C'est un dispositif qui est très efficace, on trouve. Pour l'instant, alors la visite n'est pas obligatoire, mais la plupart des
propositions qui ont été faites ont été acceptées. Ça nous a permis d'entrer dans des immeubles pour lesquels on ne soupçonnait pas qu'il y avait des difficultés assez élevées et sur lesquelles on arrivera peut-être à avoir des interventions en termes de coercitifs avec des arrêtés de péril ou d'insalubrité. Voilà pour ce volet veille foncière. Ce qu'on a aussi mis en place, donc là c'est plutôt à l'échelle de la ville, c'est une commission affaires foncières qui a lieu à peu près toutes les 6 semaines, qui permet d'étudier toutes les DIA et d'analyser aussi les rapports de visite faits par Urbanis pour que la commune se positionne si elle souhaite préempter à un moment donné. Ben voilà, on a ce suivi assez régulier pour être réactif. Sur le volet incitatif, donc là, c'est les aides classiques aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs que l'ANA octroie à tout à chacun. C'est complété par des aides du département et puis par des aides de la communauté de communes qu'elle a volontairement mis en place. Comme je vous le disais, donc, il y a un syndicat de copropriétaires qui pourra être aidé dans le cadre de ces travaux. La CLCL a acté une aide à ce titre-là. Et en parallèle, donc, on développe une campagne de ravalement de façade. Donc là, il y a eu une première phase d'étude qui a été faite pour calibrer les besoins. C'est-à-dire que Urbanis a fait tout un travail de terrain pour qualifier les différentes façades sur des lignières qu'on avait identifiées en cours de déqualification, quels seraient les besoins. Et à partir de cette étude de besoins, on a recentré les choses sur certains linéaires. Et il y a eu un travail fait par une coloriste, architecte coloriste, qui a élaboré un nuancier pour qu'ensuite, c'est les propriétaires qui souhaiteront faire des travaux de ravalement de façade s'appuient sur ce nuancier pour le choix des couleurs et les aides que la ville de Lesnevin octroiera pour soutenir cette campagne. Ensuite, donc, le volet coercitif et curatif, donc, c'est arriver là à une maîtrise foncière de la part de la collectivité. C'est dans le cadre de déclarations d'utilité publique et d'opérations d'aménagement plus global. Actuellement, on n'y est pas encore parce que nous, on n'a du coup pas encore un an de vie d'OPARU. Mais là, on va arriver avant l'été à des échéances avec le comité technique et le comité de pilotage où les élus devront se positionner sur leur volonté d'aller sur ces volets-là par rapport aux immeubles dont l'animation a été réalisée jusqu'à maintenant. Que dire d'autre sur cette partie ? Peut-être les rôles de chacun. L'opérateur, lui, il a pour objectif de faire tout l'accompagnement administratif et financier et conseiller sur des travaux pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. Ces personnes-là peuvent donc les rencontrer au sein d'une permanence en centre-ville. Ensuite, on a des échanges réguliers entre le maître d'ouvrage et l'opérateur pour un suivi optimal. On fait un point tous les 15 jours. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez. Donc, on vous indique ici effectivement qu'on se retrouve, comme le disait Jeanne, à un moment donné dans la temporalité avec une OPA réfléchie dans le cadre d'un PLH, une action portée en 2020-2021 dans le cadre des ORT, avec donc deux périmètres aujourd'hui qui se superposent, hein, le périmètre rouge qui est effectivement l'OPA ERU porté sur la centralité lesneuvienne uniquement, le périmètre ORT étant plus largement compris sur la commune qui jouxte justement la commune de Lesnevin qui est le Folgoat, et on voit bien comment tout ça est imbriqué l'un dans l'autre. Donc, l'idée de cette slide-là, c'est d'abord de vous montrer qu'on a différents périmètres d'études, hein, dont Jeanne va vous évoquer les petites questions Jérusalem et du Chessin, mais moi, de rappeler aussi d'une manière beaucoup plus globale qu'on s'inscrit quand même dans une politique territoriale à l'ensemble de la communauté de communes, donc où on a un OPA, effectivement, sur les 14 communes, une OPA RU sur la centralité en rouge, là, et puis une ORT plus globale sur le périmètre en jaune. Toutes ces actions sont coordonnées effectivement avec différents intervenants par la communauté de communes. Jeanne le disait tout à l'heure, notre OPA globale, elle est aussi portée
en tout cas mutualisée sur un opérateur avec deux autres communautés de communes qui sont le Pays d'Iroise et le Pays des Abers. On porte là effectivement différentes actions qu'on essaie de réfléchir d'une manière commune. Et une des choses qui est essentielle, c'est d'avoir un guichet unique. Ce guichet unique, aujourd'hui, s'appuie effectivement avec un numéro de téléphone connu par les différents opérateurs que l'on a pu les uns les autres identifier et qui doit être vulgarisé auprès de la population parce que c'est aussi une des difficultés. On veut développer des politiques d'amélioration de l'habitat, mais lorsque l'habitant se perd dans le marasme des différents flux administratifs, des fois, c'est compliqué. Donc, très clairement, essayer de vulgariser toutes ces choses est très important, d'où la réflexion que portait Jeanne dans le début de son intervention et que je voudrais, moi, souligner, c'est l'importance, effectivement, du binôme agent-élu, qui est hyper important lorsqu'on veut porter ce genre de dispositif d'amélioration de l'habitat et la reconquête effectivement de l'habitat, par exemple, qui est aujourd'hui inoccupé et qui est un vrai enjeu sur le territoire parce qu'effectivement, à terme, il faudra qu'on aille habiter là où les maisons sont construites et non plus se développer en périphérie. Donc, on voit bien l'enjeu que l'on peut porter et je pense qu'on partage. Si tu veux compléter sur l'étude, Jeanne, peut-être. Oui, si vous pouvez rester sur la slide précédente, excusez-moi. L'étude d'îlot prioritaire, donc c'est une des actions de l'OPA-RU sur le volet lutte contre l'habitat indigne et dégradé. Lors de l'étude pré-op, il avait été identifié sur cet îlot à la fois un potentiel foncier, parce qu'il y a de nombreux espaces de hangars qui sont actuellement quand même occupés, mais qui n'ont pas vocation à l'habitat, alors qu'on est très, très proche des deux places principales du centre-ville. Et il y a quand même sur cet îlot quelques immeubles très dégradés. Et donc, dans le plan d'action, l'idée, c'était qu'en phase opérationnelle, on creuse ce secteur. Et donc, actuellement, il y a une étude de restructuration foncière sur cet îlot, où Urbanis a bien identifié les différents propriétaires fonciers, les a interrogés sur leurs intentions à plus ou moins long terme sur leur propriété pour essayer de dessiner un projet d'aménagement urbain qui viendrait ensuite alimenter une OAP, parce qu'en fait, sur ce secteur, la ville, dans le PLU de la ville de Lézénorin, il y a une OAP qui est inscrite, qui est assez light jusqu'à maintenant. Mais là, avec la mise en œuvre du PLUI, l'idée, c'est de venir préciser le contenu du projet urbain et donc l'OAP pour que, en fait, les différentes logiques des propriétaires aillent vers un projet qui a un intérêt pour la collectivité, quoi. Et qu'on ne fasse pas de gaspillage foncier à l'intérieur de cet îlot. Et aussi, cette étude-là, c'est un peu le préalable. Si on veut ultérieurement mobiliser les financements RHI-TIRORI, notamment à l'échelle nationale, pour les immeubles là, qui sont en voie de dégradation très avancée, c'est l'étude par laquelle il faut commencer également dans les différentes étapes à suivre. Donc, on a effectivement vu qu'on a besoin d'un certain nombre d'éléments pour alimenter le débat à travers les études. On a aussi à partager les outils, comme par exemple la préemption urbaine renforcée qui donne des possibilités, qui des fois est un peu complexe à mettre en œuvre, soit pour des choix ou autre. Voilà, donc c'est hyper important. Et sur la slide suivante, ce qui nous a semblé aussi très, très important, c'est d'illustrer effectivement tout simplement au niveau des habitants que l'on peut reconquérir des espaces là, commerciaux en y mettant finalement notre partenaire qui peut accompagner justement les habitants au plus près du territoire dans le renouvellement urbain et dans les travaux qui peut être amené à mener et dans la manière dont il peut les financer. C'est vraiment resituer finalement la politique au centre de la ville et donc de bien identifier effectivement un lieu qui ne soit pas un lieu administratif, parce que je pense que les habitants des fois ont aussi du mal à venir dans les administrations et que voilà, montrer ce qu'on est capable de faire et puis de ramener ça tout simplement dans une centralité nous a semblé très, très opportun. Voilà. On en a fini, s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Eh bien, merci beaucoup. Et oui, on a des questions qui sont très opérationnelles. Alors, je vais commencer par celle d'Anaïs. Alors, je ne sais pas si c'est Dupré ou Dupre, qui vous demande si le courrier d'information dans le cadre des DIA, est-ce qu'il comprend des articles du RSD? Et si oui, qui est signataire du courrier? Alors, c'est le maire qui est de Lesnevin. Ouais. Qui est signataire du courrier de proposition de visite dans le cadre d'une DIA. Et non, il ne me semble pas qu'il comprenne des articles. Enfin, je pourrais revérifier, mais de mémoire, non, il n'en mentionne pas. OK. On avait aussi une question d'Émilie Dormois qui demandait si l'opérateur OPA, qui est la personne référente, est-ce que l'opérateur OPA est la personne référente histologue sur votre territoire? Comme l'OPA a une mission intercommunale et que les signalements d'habitat non décent sont plutôt traités par les communes. Alors, on est en train de caler ces aspects-là, parce que c'est pareil, histologue est arrivé un peu en même temps que nos premiers pas dans l'OPA RU. Sur le principe, oui, normalement, ce serait notre opérateur d'OPA RU qui fera les signalements sur Histologe et qui référera aussi à la DIL en parallèle. Mais après, voilà, les informations peuvent aussi transiter par nous ou par la ville si besoin. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est justement d'avoir quelqu'un qui fait un peu de la coordination et qui centralise bon nombre d'informations, parce que moi, je passe un peu mon temps entre la mairie d'Esnevin et la communauté de communes. Et du coup, je travaille aussi au contact des services CCAS, police municipale. Et voilà, il y a parfois, c'est en off que tout ça se fait, mais voilà, il y a des échanges qui font que les informations viennent alimenter d'autres parties et qu'elles sont intéressantes à partager avec notre opérateur. Et juste pour compléter sur la partie, effectivement, entre l'intercommunalité et les communes, hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans les communes, et on voit bien Lesnevin est grillé d'un certain nombre d'outils, comme une police municipale, etc., ce que ne possèdent pas forcément les autres communes rurales. C'est aussi tout le partage que l'on peut porter dans la boîte à outils qu'est l'intercommunalité, où on a amené très récemment à développer un certain nombre de rencontres entre élus et professionnels pour parler de l'habitat indigne, de la manière dont on peut effectivement faire un arrêté, etc. Donc, il y a toute une construction aussi, parce que toutes les communes ne maîtrisent pas forcément tous les outils, et le partage peut se faire justement au niveau de l'intercommunalité en s'appuyant sur l'opérateur de l'OPA RU qui, lui, effectivement, d'aide nous accompagner sur ces questions-là, quand bien même ce n'est pas sa priorité. Du coup, ça fait rebondir ce que vous venez de dire. Là, j'avais une question d'Hélène Morvan, mais je vais poser celle de Grégory Bénard avant, parce que du coup, comment elle se coordonne les deux OPA? Et puis, quelque part, est-ce qu'il y a un même opérateur ou est-ce qu'il y a un sens pour faciliter cette coordination? Alors non, elles n'ont pas le même opérateur. Le renouvellement du marché de l'OPA classique, on l'appelle, hein, mais il a eu lieu en novembre 2021, si je ne me trompe pas. Et donc, à ce moment-là, donc, c'est Solia qui a été retenue. Et donc, l'OPA RU qui a commencé en septembre 2022, si vous voulez, le périmètre de l'OPA RU a été extrait du périmètre de l'OPA classique pour être confié à Urbanis. Voilà, Solia avait aussi candidaté au marché, mais c'est Urbanis qui a été retenu. Et en fait, on leur a demandé aux deux opérateurs que quand il y a des questionnements d'un propriétaire qui ne sont pas... Enfin, déjà, ils ont à vérifier l'adresse des porteurs de projet et à transférer le contact à l'autre opérateur quand il y a une erreur, on va dire, sur l'adressage. Mais en tout cas, maintenant, tout porteur de projet qui a une adresse au sein du périmètre ou pas RU doit forcément travailler avec Urbanis, et des habitants de Lesnevin qui sont en dehors du périmètre d'OPA RU doivent travailler avec Solia s'ils sont éligibles aux aides de l'OPA. OK, donc ça se fait en bonne intelligence avec pourtant de prestataires qui peuvent être concurrents. Il y avait une étude spécifique sur la coloriste. Quand l'étude de la coloriste a-t-elle été menée? Sur quelle durée? Et puis à quel coût? Une question d'Hélène Morvan. Alors, donc l'étude de calibrage de ravalement de façade, elle a démarré en septembre 2022, quelques semaines après le lancement de l'OPA RU. Et là, elle est en train de se terminer. Ça s'est fait en phase opérationnelle, du coup.
Et le coût de cette étude, il est de 26 000 euros, si je ne me trompe pas. Après, on pourrait vous donner le détail entre la partie liée à la coloriste et la partie liée à l'urbaniste, qui a fait quand même tout un travail de terrain et d'adressage au début. Mais voilà, au global, on est à 26 000 euros qui ont été subventionnés à 50% par l'ANA et 25% par la Banque des Territoires. Ok, merci pour ces précisions. Moi, je m'étais noté une question en vous écoutant, vu que là, j'en vois plus dans le chatter, c'est que vu la diversité des sujets quand même qui sont traités sur l'aspect communication, parce qu'il y a quand même un enjeu à aller trouver le public cible, au-delà de la permanence qui va être déployée là sur les 5 prochaines années, est-ce qu'il y a des partenaires relais, est-ce qu'il y a des outils spécifiques, des supports qui ont été prévus pour s'assurer d'atteindre les objectifs que vous avez présentés? Il y a une première réunion qui s'est tenue à la rentrée dernière, justement, pour, après un adressage direct, on va dire, aux habitants du périmètre où paraît RU, après une communication dans la presse sur différents sites aussi. On a fait une première réunion de présentation du dispositif où il y a une trentaine de personnes qui étaient présentes. Donc, on pense que la communication est quand même passée. Voilà ce qui est plutôt intéressant. Après, c'est effectivement rappeler régulièrement dans les différents supports de communication que ça existe. Rappeler effectivement tout simplement par une photo dans le journal qu'ils sont toujours présents au centre-ville. Eux-mêmes ont des obligations en termes de com, c'était dans le cahier des charges, donc ils interviennent effectivement par l'adressage directement à différentes personnes qu'on a repérées aussi pour les solliciter dans le cadre effectivement d'un accompagnement éventuel. Donc c'est tout ça se fait, on va dire, d'une part de la collectivité directement vers les habitants directement vers la collectivité, ça se fait aussi directement, on va dire, de l'accompagnateur vers les habitants du territoire. Donc, on a, pour compléter ce que dit Raphaël, on a élaboré donc un flyer de communication qui est mis à disposition auprès de différents partenaires. On pense à l'accueil du CEDAS. Nous, on a deux maisons France Service sur notre territoire. Donc, c'est pareil, là-bas, ils ont été formés et informés sur le déploiement de cette opération. Ils ont le flyer pour pouvoir rediriger les habitants vers la permanence urbaniste. Sur les sites internet des communes et de la communauté de communes. Après, dans les magazines aussi, magazines communautaires, magazines de la ville, ça passe également régulièrement. Il y a eu des campagnes de courrier envoyées directement, en fait, notamment aux propriétaires de logements vacants. On a fait une campagne de courrier au mois de décembre. Là, il va y avoir une campagne de courrier plutôt adressée aux copropriétaires pour les inviter à des ateliers de formation sur comment gérer une copropriété. Voilà, il y a différents vecteurs de communication qui sont activés selon le public qu'on vise. Le petit flyer, vous le retrouvez sur la première slide qu'on vous avait proposée. Oui, tout à fait, on l'avait en introduction. Avant de terminer et d'enchaîner avec le deuxième retour d'expérience, je vois qu'une question est apparue, donc je vais la poser avant de poser la mienne, celle de l'or aux enfants. Est-ce que vous avez pu informer également les artisans de votre territoire, les mobiliser, parce qu'il y a aussi un enjeu à pouvoir réaliser les travaux qui sont souhaités? Pas actuellement. Les artisans, ce n'est pas un public vers lequel on a été. En revanche, on a été informé les banques. Parce que dans tout projet d'investissement immobilier, notamment, il nous semblait important qu'elles soient sensibilisées à la politique d'habitat portée par la communauté de communes. Alors, pas directement, mais indirectement, nous sommes inscrits sur la flyer, sur la plateforme avec le pays de Brest et la métropole brestoise, sur la plateforme Kinergy. Et donc, effectivement, les artisans sont référencés sur ce dispositif-là. Donc voilà, je reviens à ce guichet unique où effectivement il y a différentes portes d'entrée qui peuvent être effectivement les personnes qui souhaitent rénover. On peut retrouver aussi un certain nombre de personnes qui peuvent être en capacité de réaliser les travaux d'accompagnement pour l'amélioration de l'habitat. Voilà, il y a tout un dispositif effectivement qui s'appelle pour moi le guichet unique et qui est hyper important
à repérer. Il y a un numéro de téléphone connu, hein, qui celui d'Inergence, qui est exactement le même sur l'ensemble du territoire de Brest. Et que vous soyez en OPA classique, en OPA RU, que vous soyez dans le cadre de l'ORT, vous passez par ce guichet unique et quelle que soit la personne que vous avez au bout du téléphone, elle vous oriente et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc, vous pouvez être artisan à la recherche de travaux. Après, une des difficultés qu'on peut avoir, nous, les collectivités, c'est effectivement de les référencer et sur quel droit on pourrait favoriser un artisan plus qu'un autre. Donc, voilà, il y a des choses qui se font dans le cadre de ce guichet unique qui sont aussi réglementées. C'est important de rappeler la nécessité d'articuler ce type d'opération avec les guichets uniques, les plateformes de la rénovation énergétique qui peuvent exister, parce que à la fois traiter le diffus et les opérations programmées de façon coordonnée, ça donne du sens à une politique publique de l'habitat. Il y avait une question sur le coût de l'animation avec Urbanis. Je rajoute le fait que est-ce qu'il y a un sens à ce que le bureau d'études qui porte l'étude opérationnelle soit celui aussi qui porte ensuite l'animation et est-ce que du coup vous avez eu beaucoup de candidats et qui vous a permis de faire un choix assez éclairé ou est-ce que des fois on choisit par défaut? Non, on a eu des candidats, donc ça, il n'y a pas de souci. On a pu choisir le mieux disant, mais aussi celui qui était en capacité de mieux nous accompagner techniquement en fonction effectivement du cahier des charges qu'on avait monté pour l'appel d'offres. Après, c'est une particularité que ce soit le cabinet qui était retenu pour animer, qui était celui qui fait effectivement la partie préopérationnelle. Hein. C'est vraiment le hasard. Il a répondu, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Après, peut-être l'avantage qu'il avait, c'était d'avoir travaillé sur le territoire en amont et qu'il a su mieux répondre aux questions. Mais voilà, c'est sur le coup, je ne sais plus, Jeanne, si tu peux préciser, j'avoue avoir oublié cette question-là. Pour les 5 années, donc on est sur un coût de 434 000 euros de coût de suivi animation qui inclut les différentes études, campagne de ravalement de façade, études d'îlots prioritaires et la part variable de la rémunération, puisque en fait il y a une part fixe forfaitaire et une part variable au nombre de dossiers déposés en fonction inciter à l'atteinte des objectifs. Donc on sera un peu plus de 80 000 euros par an si on voulait lisser ça dans le temps. C'est ça. Donc avec la moitié prise en charge par l'ANA, on a une contribution aussi du conseil départemental à hauteur de 100 000 euros et une contribution de la Banque des Territoires sur les deux études à hauteur de 12 500 euros. Alors, j'ai une dernière question et on n'en prendra plus après, histoire de tenir le timing. Je ne suis pas sûr de la maîtriser, c'est Valérie Lelièvre, et je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Elle dit qu'une ORT est réputée valoir au PARU, si elle en partage les caractéristiques. Et est-ce que cet effet juridique des ORT est concrètement reconnu par les services de l'État, les ETM de votre département ? Alors d'abord, moi, c'est une question que j'apprends en tant que politique. Effectivement, je ne maîtrise pas forcément tout. Hein. Donc après, dans la phrase telle qu'elle est, en tout cas dans le préambule de la question, on voit bien qu'il faut qu'elle partage les caractéristiques. Donc effectivement, il y a 3 petits points. Et je pense que notre ORT n'est pas du tout calqué sur le pas RU. Donc je suppose effectivement qu'on ne répond pas du tout à cet effet qui serait juridique si on y était. Donc la DDTM ne nous a pas du tout alerté sur cette question-là, donc je ne maîtrise pas vraiment la réponse, mais je pense qu'on est sur deux dispositifs qui sont un peu distincts et pas forcément identiques dans le partage des caractéristiques. Le choix qui a été fait, nous, pour nous, on distingue vraiment les deux. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, sur l'autre commune PVD qui est le Falguat, il n'y avait pas du tout les mêmes problématiques en matière d'habitat que sur le centre-ville de Lisnevin, même si les deux secteurs sont très proches géographiquement. Et du coup, il a été décidé d'avoir un périmètre au PARU pour vraiment traiter la question de l'habitat ancien sur Lisnevin. Et l'ORT, elle prend en compte quand même le centre-bourg de le Falguat, parce que là-bas, il y a des problématiques mais qui sont complètement différentes, plutôt liées à de l'aménagement d'espaces publics, attractivité du centre-bourg, mise en valeur du patrimoine, et qui sont différentes. Après, il faudrait poser la question à la DDTM si elle reconnaît dans le Finistère l'effet juridique de l'ORT en tant qu'OPARU.
Du coup, je suppose que oui, hein, puisque c'est si un des aspects. Je pense que si c'est réglementaire, il l'aurait fait, et si on était effectivement calqués l'un sur l'autre, il nous aurait fait part de la chose. Donc voilà, à vérifier, mais je ne suis pas convaincu, effectivement, que. Disons, je suis convaincu en tout cas que l'ORT n'est pas du tout calqué totalement comme l'OPA et RU, et donc qu'il ne partage pas les caractéristiques. Mm. Je vais être obligé de vous couper. En tout cas, parfois, on a des participants qui sont d'ADDTM, donc qu'ils n'hésitent pas à intervenir dans le chatter. Je remercie aussi Hélène Morvan, qui a apporté pas mal de précisions sur la question des artisans. Donc, tout ça, on le compile et ça se retrouvera dans nos travails de capitalisation. On est obligé, malgré tout l'intérêt, toutes les questions qu'on reçoit, de continuer, car nous avons deux autres taux d'expérience à présenter. Donc, je vous remercie encore pour tous ces éléments. Je n'oublie pas de préciser que si certains veulent vous interpeller directement dans le chatter pour discuter en message privé ou avoir vos coordonnées, il ne faut pas qu'ils hésitent. C'est aussi le but de ces rencontres, de créer une dynamique de réseau et de la solidarité entre territoires avec des échanges de pair à pair. Et j'en profite pour introduire l'expérience de Pontivy Communauté. Donc là, une OPA-RU qui est plus mature, donc plus historique. Et je vais demander à Lionel Ropert, qui est vice-président de Pontivy Communauté en charge de l'habitat, et à Nathalie Piriou-Tanguy, qui est chargée de l'habitat, de prendre la parole et de nous présenter leur retour d'expérience. Est-ce qu'on vous voit et qu'on vous entend? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Lionel Ropert, vice-président en charge de l'habitat à Pontivy Communauté, donc accompagné de Nathalie Piriou-Tanguy, donc qui est chargée de l'habitat. Donc Pontivy Communauté, donc une EPCI de 24 communes, donc une dominante rurale, hein, donc bénéficiant donc d'une centralité, hein, sur le territoire de la Bretagne, comme vous pouvez le voir, avec presque 50 000 habitants. Et donc un pôle d'emploi très important, hein, notamment avec l'industrie agroalimentaire, donc avec des diversités territoriales assez importantes, hein, puisque nous avons un gros pôle urbain, donc la ville de Pontivy, qui à elle seule représente 15 000 habitants, hein, sur les 50 000, et qui concentre donc 30% de la population intercommunale, et avec beaucoup de petites communes sur le reste des territoires, des communes très rurales. La compétence habitat sur le PCI, donc nous sommes dans l'élaboration là, du troisième PLH qui est obligatoire, qui devrait normalement passer dans les votes courant de l'année, hein, enfin du troisième trimestre, on va dire, après les vacances, oui, jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et notamment dans le PNH aussi, on a des fonds de concours, hein, donc en développement et amélioration du parc locatif social, et aussi pour la création de lotissements communaux. Dans l'historique, nous avons eu une OPA d'avril 2012 à décembre 2017, hein, et un déploiement d'une plateforme locale de rénovation de l'habitat en avril 2018. Alors, par rapport à l'historique, de l'OPA classique qui a porté donc d'avril 2012 à décembre 2017, les élus de Pontivy Communauté, c'est vrai que c'est une OPA qui avait très bien fonctionné, mais par contre, au niveau de la ville de Pontivy, vu le poids démographique de la ville, il n'y avait pas eu autant de dossiers que sa représentation démographique. Par rapport à Pontivy, donc comme disait Monsieur Ropert, son poids démographique est très important. Et en fait, quand on reprend la carte précédente, on voit bien qu'elle est centrale. Et on a aussi donc ce contexte très urbain avec un habitat, très concentré, avec donc la fonction administrative, puisque Pontivy est une sous-préfecture, qu'il y a aussi tout ce qui est CAF, trésor public, des lycées, il y a trois lycées, des collèges, donc il y a une forte concentration aussi, un afflux de jeunes qui arrivent sur la ville centre.
Depuis quelques années aussi, le développement des établissements d'enseignement supérieur, donc avec la problématique des logements des étudiants. Une fonction commerciale très importante aussi sur le centre-ville de Pontivy, avec la rue du Fil, une rue nationale. En fait, c'est concentré sur les commerces sont concentrés sur deux rues principalement. Des organismes professionnels, en fait, le centre de Pontivy est vraiment un centre. La ville attire énormément, hein, que ce soit économiquement, administrativement, avec la CCI, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers. Donc, voilà, on a toute cette partie-là et on a aussi donc une attractivité touristique et patrimoniale assez condensée sur Pontivy, avec notamment le château des Rouen, donc construit au XVe siècle, avec une volonté de le protéger, et donc avec une création d'une ZPP, AUP et d'une AVAP. Et la ville a obtenu la destination de Napoléon, puisque Napoléon est très présent sur la cité, enfin sur la ville de Pontivy. Donc voilà pour l'historique. Et donc nous avons deux dispositifs départementaux. Donc un PIG départemental pour le maintien à domicile et aussi un PIG de lutte contre l'habitat indigne. Alors, ce sont des dispositifs qui sont pilotés par le département du Morbihan, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport dans le cadre du petit quiz qu'il y avait en amont de cette présentation. Donc, ce sont des dispositifs qui commencent à dater, qui ont été prolongés. Le PIC départemental est animé par un opérateur, donc Solia, le PIC pour le maintien à domicile, le PIC départemental de lutte contre l'habitat indigne, et depuis un an, piloté par le CDHAT. Donc, lors de la réflexion au niveau de Pontivy Communauté sur le lancement d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain, s'est posé la question, en fait, de ces programmes d'intérêt généraux départementaux et de leur temporalité, du fait qu'on pourrait avoir un opérateur qui pourrait être différent sur l'OPARU. C'est comme je le mettais, l'OPARU, en fait, a une durée de 5 ans et souvent les programmes d'intérêt généraux durent 3 ans. Donc, au niveau de Pontivy Communauté, on a souhaité, en fait, que les aides puissent être pérennes dans le cadre de l'OPARU et d'avoir qu'un seul opérateur sur le territoire. Je vais changer. Slide suivante. Donc, l'OPARU, il y a eu des réflexions hein, de la part de Pontivy Communauté sur un outil spécifique au centre-ville, dès la fin de l'OPA précédente, hein, de 2012 à 2017, qui avait bien marché, mais un peu moins sur la ville. Et on avait donc la problématique et les contraintes différentes que sur le reste du territoire, notamment en raison du patrimoine, donc de la copropriété et des vacances, et aussi du PPRI, puisque nous sommes proches du Blavet. En fait, sur la carte qui est présentée donc à l'écran, donc vous avez donc le périmètre de l'OPARU qui a été élaboré suite à l'étude préopérationnelle, et vous avez donc le quartier médiéval, donc autour du château, au sud la partie napoléonienne. Donc là on a des bâtiments type napoléonien, des grandes avenues. En fait on a trois typologies au niveau de l'OPARU. Et le quartier du Trélo, qui est en fait en zone rouge du PPRI, donc une zone inondable. C'était plus sur cette problématique-là des bâtiments avec le risque d'inondation. Voilà, c'est pour ça que cette partie du Trélo a été rajoutée au périmètre de l'OPARU. Donc, l'étude pré-op a été lancée donc en novembre 2017.
Et aujourd'hui, en parallèle, nous avons des réflexions avec la ville de Pontivy autour de deux dispositifs, donc de dynamisme des bourgs ruraux et des centres-villes de Bretagne et cœur de ville. Et donc là, je vous ai mis au niveau de, en fait, au niveau de la ville de Pontivy et de Pontivy Communauté, on s'est retrouvé complètement en phase, puisque en fait, la ville de Pontivy lançait sa réflexion sur le dispositif cœur de ville. Nous, on lançait notre réflexion sur l'habitat, sur le centre-ville de Pontivy. Et on a créé en fait le logo. Bon, c'est une petite anecdote, mais on a créé le logo de l'OPARU qui se calque en fait sur le logo cœur de ville de la ville de Pontivy. En fait, c'est. Bon, moi, on va passer sur l'étude préopérationnelle, mais dans le cadre de l'OPARU, on essaye toujours d'être en phase avec la ville, de travailler de concert avec donc le chef de projet cœur de ville. On va pouvoir passer à l'étude pré-op d'OPARU, donc avec une importance dès le départ du repérage de terrain, avec la classification des besoins en travaux en fonction du quartier où on se situe, médiéval, napoléonien ou le quartier très lourd en PPRI. Donc, on le voit hein, sur le repérage. Oui, alors, ce qui est important par rapport à cette étude préopérationnelle, et c'est vrai que c'est complètement différent du dispositif OPA classique ou l'étude préopérationnelle d'une OPA classique. On est sur, c'est important, mais c'est la quantification des objectifs. Là, on voit bien que sur l'étude préopérationnelle d'OPARU, le repérage de terrain des immeubles, la typologie de travaux, on a lancé l'OPA en juillet 2019, donc on est en 2023, on arrive à l'échéance. Et je vais vous parler un peu plus tard, c'est vrai qu'on a lancé l'ORI un peu tardivement. On a mis en place aussi une commission, ce qu'on a appelé une commission ORI, c'est plutôt des réunions de travail entre le collectif à la Pontivy Communauté et la ville de Pontivy. Ce repérage terrain est vraiment important en fait pour la mise en œuvre de l'ORI et l'identification des immeubles que vous allez placer dans cette ORI en fait. Vous pouvez changer de slide. Alors, au niveau de l'étude préopérationnelle, donc en fait, les principaux constats qui ont été apportés, donc c'est 115 immeubles qui nécessitaient des travaux. Une grosse problématique sur les logements vacants sur le centre-ville de Pontivy, donc comme beaucoup de territoires. Donc, on avait identifié 55 bâtiments entièrement vacants. Donc, ça représente un nombre impressionnant de logements. Après, les données Philocom, donc ça a permis d'identifier 150 logements potentiellement indignes. Donc, 175 ménages qui étaient concernés par le programme Habiter Mieux, donc en termes d'économie d'énergie. Sur le maintien à domicile, on avait 80 ménages potentiellement éligibles. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'ANA, ça a été quelque chose qui a été un petit peu… l'ANA ne souhaitait pas que dans l'OPARU de Pontivy, du centre-ville de Pontivy, apparaisse le volet maintien à domicile, puisqu'il y avait le PIG adaptation sur le département du Morbihan. C'était une volonté des élus de Pontivy Communauté de maintenir quand même un volet adaptation sur cette OPARU. L'éco-propriété dégradée, donc un volet important aussi sur l'OPA, qui est difficilement mobilisable. Et sur le centre-ville de Pontivy, l'étude a fait apparaître un nombre important de monopropriétés, en fait. Donc, des bâtiments qui appartiennent à un seul propriétaire, avec des logements pas toujours dans un très bon état. Et il y avait aussi 113 immeubles donc, qui nécessitaient des travaux de ravalement de façade.
En complément en fait, de l'OPA RU, la ville de Pontivy a lancé une opération façade, mais tout ça est intégré en fait, dans le dispositif OPA RU. Donc à partir de ces constats, on a lancé l'OPA avec des objectifs opérationnels. Donc 20 logements en travaux lourds, donc POPB, donc par contre avec une faible part des propriétaires bailleurs. En 2019, les priorités de l'ANA, enfin, c'est encore un petit peu, mais c'est vrai qu'en 2019, les priorités de l'ANA étaient plutôt axées sur les propriétaires occupants. Donc, notre volet propriétaire bailleur n'est pas très développé. Donc, on a en tout en objectif 14 logements bailleurs, 8 en travaux lourds et 6 en développement à loyer maîtrisé. Donc sur la précarité énergétique, l'objectif était de 90, ce qui est beaucoup. Le maintien à domicile, on avait prévu 30 dossiers maintien à domicile, 20 copropriétés et 15 monopropriétés. Sur le volet sortie de vacances, 10 sorties de vacances. Donc là, c'est un dispositif qui a fonctionné et on est au-delà des chiffres. On a aussi un volet accession à la propriété pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes. Et on a aussi un dispositif sur le regroupement de petits logements pour créer des logements de plus grande taille, puisqu'en fait, la volonté des élus de la ville et de Pontivy Communauté, c'était de permettre aussi à des familles de réinvestir le centre-ville de Pontivy. Je vais changer. Donc là, au niveau des aides de Pontivy Communauté, on est en fait, ce sont des aides qui fluctuent en fonction. On travaille donc avec donc, l'opérateur, c'est le CDHAT. Et en fait, on essaye au niveau de la communauté de communes d'être en phase avec les problématiques que rencontre l'opérateur sur le terrain. On adapte nos aides, donc les aides, soit on les adapte à la réglementation de l'ANA qui évolue. On a augmenté nos plafonds de travaux dernièrement. On était un certain pourcentage de plafonds de travaux avec 20 000 euros de plafonds de travaux. On les a passés à 35 000 euros. On a modifié aussi nos aides. Notre aide pour le volet maintien à domicile n'était destinée qu'aux propriétaires occupants. Donc là, on accorde des aides pour le maintien à domicile sur du logement locatif. On a pris en compte aussi la modification, alors ce qu'on appelle, nous, la clause de revoyure. Je ne sais pas si l'ANA l'appelle comme ça, mais ça prend en compte le prix d'augmentation du coût des matériaux et tous les travaux induits aussi. Donc, on a limité comme l'ANA, il ne faut pas que le projet, que le coût du projet final soit 30% supérieur au projet initial. Mais on essaye d'adapter régulièrement nos aides en fonction des difficultés que peuvent rencontrer les personnes et l'opérateur. Et puis, donc on a mis en place différentes aides. C'est vrai que ce que disait la communauté de communes de Lesnevin, c'est l'importance de cet accompagnement avec un opérateur. Donc nous, au niveau de Pontivy Communauté, on n'est pas une très grosse communauté de communes, 48 000 habitants. Le service habitat, il y a une personne, donc moi, plus ma responsable, mais qui a d'autres missions. Donc c'est une OPA RU ne peut pas se gérer en régie, vu les compétences qu'il faut avoir et qu'il faudrait avoir en interne. Et donc là, on a énormément, c'est vrai qu'on a quelques aides. Donc, la prime au logement vacant qui est mobilisée sur les propriétaires occupants et sur les propriétaires bailleurs, la prime à l'accession. On avait mis au début une prime à pour les économies d'énergie pour les ménages à ressources intermédiaires, puisqu'en fait, ça a été identifié dans l'étude préopérationnelle. On l'a supprimée parce qu'en fait, il n'y avait pas de demande.
Par contre, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de ménages avec des couples, en fait, qui achètent des biens sur le territoire de Pontivy Communauté et sur le centre-ville de Pontivy à des coûts pas très élevés à l'époque, un petit peu augmentés, et qui souhaitaient ensuite faire des travaux, mais qui, du fait des problèmes, des soucis financiers, se retrouver à ne plus pouvoir financer, et on avait des arrêtés de péril. Il y a eu des arrêtés de péril sur des propriétaires occupants. Et donc, les élus de Pontivy Communauté ont souhaité modifier, en fait, mobiliser les aides de l'OPARU sur ce volet-là, puisqu'en fait, dans le cas d'un péril imminent, les propriétaires occupants ne peuvent pas bénéficier des aides de l'ANA. Donc là, il y a une aide spécifique de Pontivy Communauté pour faire cesser le péril imminent. Il est de 50% de 10 000 euros. On travaille, donc le CDHAT, il y a tout l'aspect aussi social de cette aide-là. Alors, on l'a mobilisé une fois, il n'y a pas eu de nécessité de relogement de la famille, mais c'est vrai que tout cet aspect-là aussi serait à voir. Et on a travaillé avec les compagnons bâtisseurs sur ce dossier. Et dernièrement, en relation avec la ville de Pontivy, donc je vous expliquais tout à l'heure que la ville de Pontivy, il y avait deux artères principales au niveau des commerces, donc la rue Nationale et la rue du Fil. La rue du Fil, qui est une rue piétonne avec des maisons de type médiéval. Donc, avec une grosse problématique d'accès des logements, en fait, aux étages des bâtiments, il y a des cellules commerciales et il n'y a souvent pas d'accès indépendant aux logements qui se situent aux étages. Donc là, en mars 2023, en partenariat avec la ville de Pontivy, on a lancé en fait une nouvelle aide qui permet de créer l'accès autonome aux étages. Donc la ville de Pontivy, elle aide sur la partie études architecturales, puisqu'en fait là il faut faire appel à un architecte par rapport à la problématique du bâtiment. Et Pontivy Communauté apporte une aide, elle, sur les travaux. Donc en fait on essaye toujours d'être en relation avec la ville, de partager leurs problématiques, leurs expériences, nous l'expérience du CDHAT, pour faire vivre en fait cette OPARU. Là, je vous ai mis, parce qu'il y avait une question tout à l'heure par rapport au suivi animation, donc le coût du marché, il est de un peu plus de 505 000 euros TTC sur les 5 ans, et donc on a une subvention de l'ANA de 237 300 euros, donc il y a un reste à charge qui est important quand même pour la collectivité. Le montant total des aides qu'on a prévu d'attribuer sur les 5 ans, il s'élève à plus de 840 000 euros, ce qui est un budget conséquent aussi. Vous pouvez changer de slide. Et je vais juste vous signifier qu'il vous reste 5 minutes et pas mal de slides. Et comme il y a des très belles slides de bilan, n'hésitez pas à accélérer un tout petit peu. Donc, c'est l'importance, en fait, l'importance de l'accompagnement par un opérateur. Parce qu'en fait, depuis juillet 2019, donc là, on est sur le bilan de 3 ans. Ce sont quand même 133 porteurs de projets qui ont été renseignés. Donc, c'est quand même important. Et contrairement à nos objectifs qui étaient plutôt axés sur le volet propriétaire-occupant, on voit bien que ce sont les propriétaires bailleurs qu'on a réussi à fortement mobiliser, même s'il n'y a pas beaucoup de dossiers. L'avantage de l'OPARU, de l'ORT, c'est que ça a créé aussi une dynamique au niveau du centre-ville de Pontivy. Alors, il y a aussi l'effet peut-être post-Covid, à voir, mais c'est vrai que cette ORT, cœur de ville, l'OPARU, on voit bien qu'il y a de nombreux projets. Alors, ils ne sont pas tous financés dans le cadre de l'OPARU. Il y a des financements aussi d'Action Cœur de Ville, d'Action Logement, dans le dispositif Action Cœur de Ville, donc des propriétaires bailleurs qui sont partis sur ce dispositif. Voilà.
pouvez passer. Ouais. Donc, on parle un petit peu de la communication, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, nous, au niveau de la communication, on fait régulièrement des réunions publiques tous les ans. On rencontre les banques, les agences immobilières, les notaires, il y a différents flyers. On est présent sur le salon de l'habitat pour rencontrer les artisans, les entreprises. On adresse des courriers nominatifs aux propriétaires occupants. Dernièrement, ça a été grâce à la base LOPAC. Ouais. Et puis, on a le volet. Vous pouvez changer de slide. Donc, au niveau de Pontivy Communauté, donc on est en phase active de Laurie, alors qu'on a lancé un peu tardivement. C'est vrai que là, le conseil, c'est dès le démarrage de l'OPARU, de lancer la procédure d'ORI. Voilà, nous, l'OPARU a commencé en juillet 2019, le temps de mettre un peu les choses en place, la communication. Mars 2020, confinement, voilà, 2020-2021, le contexte un petit peu compliqué. Du coup, on a lancé l'ORI et les réunions d'ORI tardivement par rapport à la temporalité de l'OPARU. C'est ce que je vous disais, l'importance de l'étude préopérationnelle, puisqu'à partir des immeubles qui ont été repérés, nous avons pu identifier 22 immeubles qui présentaient des problèmes, enfin de sérieux problèmes. À partir de ces 22 immeubles, on a catégorisé et on en a identifié 9 qui correspondaient à une priorité. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, vous avez les photos de ces immeubles, des bâtiments très dégradés qui étaient vacants depuis de nombreuses années, des propriétaires qui sont introuvables, injoignables. On a un propriétaire en Angleterre qu'on n'arrive pas à... on n'arrivait pas forcément à identifier des propriétaires qui ne souhaitaient pas vendre, qui ne souhaitent pas faire de travaux, des arrêtés de péril aussi sur certains biens, des squats. Donc tout ça a fait que, alors on a mis en place donc ces réunions qui se réunissaient tous les trimestres pour pouvoir évoquer les situations et faire avancer en fait ce volet ORI de l'OPARU. Donc en 2022, on a. Alors, ce qui est un peu particulier aussi sur le territoire de Pontivy Communauté, c'est que c'est la ville de Pontivy qui a le pouvoir de police du maire, enfin qui a conservé le pouvoir de police du maire en matière d'habitat indigne. Donc en fait, tout ça, tout ce volet DUP a été travaillé par la ville. Donc, ça a été approuvé le 10 octobre 2022. L'enquête publique s'est tenue pendant 3 semaines, du 4 au 20 janvier 2023. Et donc, la ville de Pontivy a reçu l'arrêté du préfet en avril 2023, déclarant d'utilité publique le premier programme de travaux de l'ORI. Et donc, là commence la phase d'accompagnement des propriétaires. Donc, là, l'avocat, on est soutenu par un avocat dans le cadre du marché de l'OPARU avec le CDHAT, et donc a préconisé de laisser passer les deux mois de possibles recours pour pouvoir commencer à rencontrer les propriétaires. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc là, c'est un petit bilan de l'OPA sur les 3 ans. Par contre, on est sur 3 ans. On voit bien qu'on a des difficultés à mobiliser sur le volet propriétaire occupant, sur le volet énergie. Alors voilà, est-ce qu'il y a la concurrence de ma prime rénov, c'est possible. Sur le volet propriétaire-bailleur, on est au-delà en fait de nos
nos objectifs, puisqu'on a sorti, on a conventionné 16 logements, alors que sur les objectifs, c'était prévu 14. Et on a surtout sorti 15 logements de la vacance du fait des aides de Pontivy Communauté. Sur la slide donc, suivante, oui. Voilà, on retrouve les points où on a pu déposer des aides, enfin donner des aides. On voit que sur le périmètre, c'est assez centralisé sur la partie médiévale et beaucoup moins sur la partie napoléonienne, en fonction des aides qu'on a pu faire. Donc, un peu disparate sur le territoire. Alors, la slide suivante. C'est juste les points positifs et les pistes d'amélioration qu'on peut avoir sur le bilan général. Donc, un dispositif bien identifié quand même. Donc, et puis, certains points positifs comme les primes de sortie de vacances qui ont bien fonctionné. Les plafonds des travaux subventionnables de l'ANA qui ont été remontés, ça a permis de débloquer certains dossiers. Des modifications régulières, par contre, d'attribution des aides. On s'est toujours mis au fur et à mesure du plan sur les aides qui étaient plus mobilisables et demandées. Donc, voilà. Donc, et par contre, en point négatif, donc toujours des contacts limités au niveau des propriétaires occupants. C'est toujours dur à les toucher. Des niveaux de loyer très bas via Locavantage. Et puis aussi des délais d'intervention, par exemple des artisans avec les coûts des matériaux qui augmentent, qui sont une contrainte pour les rénovations aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, intervention très illustrée, très complète. Il y a quelques questions, mais je rebondis là sur le dernier point que vous avez mis concernant les DPE. Ça m'a fait tilter quand je vous entendais de savoir si le dernier décret d'essence est sur le fait que les transactions immobilières vont être plus contraignantes pour les passoires thermiques. Est-ce que ça, vous y voyez un effet bloquant sur votre démarche ou au contraire un effet de stimulation au niveau des propriétaires bailleurs? Ben là, pour l'instant, on n'a pas eu trop de retours. On a un dynamisme important sur le centre-ville de Pontivy. C'est vrai je pense qu'au-delà des passoires thermiques, on avait aussi beaucoup de logements vacants dans de très mauvais états. Maintenant, c'est de voir comment les acquéreurs vont rénover ces logements. Alors, c'est vrai que dans le cadre de l'OPA-RU, le CDHAT en rencontre beaucoup. La ville de Pontivy aussi rencontre des porteurs de projets, soit en collaboration avec l'opérateur ou pas, ça dépend. Là, on n'a pas trop de recul encore. On va vous laisser un peu de temps. En tout cas, je vais prendre les questions qui ont pu arriver sur le fil de discussion. Il y a celle de Morgane Thieu qui voulait avoir un peu plus de détails sur votre dispositif de regroupement de petits logements. Qu'est-ce qu'il y avait exactement derrière? Alors, en fait, c'est pour permettre de créer des logements pour accueillir. Éviter d'avoir des typologies de logements que d'été, en fait. Et donc là, on a créé, que ce soit pour des propriétaires, c'est pour des propriétaires bailleurs, en fait. Et on a mis une taille minimale pour chaque typologie. Et donc, on a une aide de 4 000 euros pour ces travaux-là. Mais on ne l'a jamais mobilisé, il n'y a jamais eu… Donc, par exemple, pour un T2, on demande… Enfin, pour la création d'un T2 à partir de deux petits logements, il faut qu'il fasse une taille minimale de 50 mètres carrés. Pour un T5 en centre-ville, ça serait un peu… Mais par exemple, pour un T4, on demande un minimum de 85 mètres carrés pour la création à partir de petits logements, de plus petits logements pour un T4. Et donc là, on apporterait une aide de 4 000 euros
supplémentaires, en plus des subventions qu'il pourrait y avoir si elles étaient mobilisées dans le cadre de l'OPA-RU pour en logement conventionné, par exemple. D'accord. Pour attirer des plus grandes familles un petit peu, pour pouvoir accueillir des plus grandes familles un peu dans le centre. Oui, du coup, ouais, pour mieux adapter votre parc aux besoins aussi de la population. Voilà, et la diversifier surtout aussi à l'intérieur du centre-ville. Là, actuellement, la problématique qui est rencontrée, c'est plutôt la division. On voit bien que les investisseurs, pour eux, c'est beaucoup plus rentable de louer de petits logements. Donc là, actuellement, souvent, les immeubles sont séparés. C'est la division d'immeubles. Donc, on essaye, la ville de Pontivy surtout, qui est l'opérateur, essaye en fait de faire en sorte que tout un immeuble ne soit pas divisé, canté en fait. Ouais. Et de créer, il y a des besoins en petits logements aussi, parce que comme on vous disait, on est une ville qui a tendance à devenir étudiante. On a aussi la problématique du logement des internes en médecine. Donc on a aussi besoin de petits logements, mais dans le cadre de l'étude donc du PLH, on s'est rendu compte aussi que Pontivy, du fait de sa centralité, du fait de ses commerces, du fait de ses collèges, lycées, des services qu'elle apporte, on a un afflux de population de familles, en fait, avec des jeunes plutôt l'adolescence, en fait. Et donc, il faut pouvoir accueillir ces familles et donc il faut créer des logements adaptés à la taille des familles. En fait. Et alors, je relis une félicitation de Laure aux enfants qui souligne votre aide locale là, pour l'accès indépendant aux étages et hors commerce, qui trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et j'ai une question alors de Maud Corsec. Avec tous les outils et les règles là, qui sont maintenant mis en place pour éviter que les logements dont la rénovation a été subventionnée, ils restent bien concernant que ce soit les propriétaires ou locataires à usage de résidence principale. Est-ce que là-dessus, il y a un suivi, il y a des garde-fous pour pas que ça devienne de la location saisonnière touristique? Alors, c'est ce qu'on met dans notre règlement d'intervention. C'est également ce qui a été vu là par rapport à cette nouvelle aide pour la création d'un accès indépendant aux étages. On le met. Le souci, c'est qu'une fois, c'est le contrôle, quoi. On n'a pas le moyen humain, et les moyens, je pense, même légaux, nous, au niveau de l'intercommunalité. C'est vrai que... On le met dans notre règlement. On espère que, une fois que ces logements seront créés, ils seront pas, ils n'auront pas une vocation d'Airbnb, parce que c'est vrai que ça a été aussi. On se rend compte qu'à dans les villes moyennes, le développement du Airbnb s'est fortement accéléré. Maintenant, on n'aura pas de moyens pour le vérifier, de contrôle derrière. Ça, on en est conscient. Cindy Thomas nous demande si les élus avaient envisagé d'étendre le périmètre de l'aide pour le ravalement de façade. Alors le périmètre avait déjà évolué, l'opération façade est portée par la ville de Pontivy. La partie suivi animation est intégrée dans le suivi animation de l'OPA-RU et financée par l'Interco. Par contre, les aides et le périmètre, tout ça, c'est du domaine de la compétence de la ville. Donc, à l'origine, déjà, le périmètre façade était plus petit au démarrage et ils l'ont étendu à la partie médiévale. D'accord. Par contre, le périmètre de l'opération façade ne va pas sur la partie napoléonienne ni le très long. Donc là, après, c'est une volonté des élus de la ville. Alors, je pense pour des raisons aussi budgétaires au démarrage de cette opération façade. Merci pour ces précisions. J'ai une question de Benoît Chauvin qui dit que concernant les immeubles sous ORI, si vous devez les acquérir ou exproprier, quelle sortie commerciale vous prévoyez et qui fera les travaux obligatoires?
Alors, donc là, on n'est plus sur la compétence non plus de Pontivy Communauté, hein, on est sur la compétence de la ville. Donc, c'est un petit peu délicat de répondre pour la ville de Pontivy. On espère qu'on n'ira pas jusque-là. Alors, c'est vrai qu'on a, on a deux bâtiments qui appartiennent à la même famille, pour lesquels c'est compliqué, puisque ils avaient même des propositions d'achat à des prix corrects vu l'état du bâti et qui les ont refusés. Donc, c'est vrai que sur ces deux biens, on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. Maintenant, la question est un peu délicat pour nous d'y répondre. Pour la communauté d'y répondre, parce que c'est la ville qui est porteur. Non, mais pas de souci, c'est normal. Alors, par contre, c'est vrai qu'ils ont, enfin voilà, dans le cadre de la mise en place, en parallèle avec donc la mise en place des réunions communes Ville de Pontivy et Pontivy Communauté, il a fallu quand même saisir le service de la publicité foncière pour savoir un petit peu quel serait justement cet impact financier si la ville de Pontivy devait aller jusqu'à l'expropriation des biens. La ville de Pontivy a quand même un estimatif du montant financier, l'impact financier. Et toujours une question, alors j'espère que je traduis bien les propos de Benoît Chauvin, toujours sur le fait que vous ayez lancé cette OPA en même temps que la période Covid, et du coup sur une redéfinition des objectifs ou une reconduction, est-ce qu'il y a un impact et une négociation qui a pu avoir lieu ? Alors pour l'instant non, au niveau de Pontivy Communauté, on est aussi dans le dispositif Petite Ville de Demain. Donc actuellement, il y a une étude préopérationnelle sur ce volet-là, donc avec deux communes, Réguigny et Rouen. Se pose la question de la prolongation de l'OPA RU. Hein, donc c'est quelque chose qui va être évoqué à la rentrée. Déjà parce que donc avec un bilan à l'issue de la quatrième année de l'OPA RU. Le rendu, enfin les premiers rendus de l'étude préopérationnelle, va se poser la question, est-ce qu'on prolonge l'OPA RU est-ce que ce sera les mêmes typologies, parce que c'est vrai qu'on voit bien aussi la concurrence de MaPrimeRénov, est-ce que c'est le rôle de l'EPCI de partir sur ce genre de travaux, ou est-ce qu'il ne faut pas, dans le cadre d'une OPA RU, partir sur des choses beaucoup plus dures? On voit bien, on a le péril, les arrêtés de péril sur les propriétaires, pour les propriétaires occupants, les arrêtés de péril au niveau de la ville de Pontivy, il y a de plus en plus d'arrêtés de péril sur des bâtiments soit vacants ou soit occupés par des locataires. Toute cette partie-là, on va y réfléchir aussi. Est-ce que l'on part sur une OPA dans le cadre de Petite Ville de Demain avec trois secteurs d'intervention, donc qui seraient Rouen, Réguigny, donc les PVD, et Pontivy, pour pouvoir maintenir un dispositif et maintenir l'ORI, en fait. Et continuer à travailler dans le cadre de l'ORI. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, au mois de juin, on commence à accompagner les propriétaires, le temps que tout se mette en place, même si certains seront sûrement partants, on va arriver très vite à la fin de l'OPA RU, et là, on n'aura plus rien à leur proposer finalement. Et dernière question avant de passer au troisième retour d'expérience, c'est plus moi qui la pose, parce que quand je vois la multiplication des aides locales, je me demande aussi l'impact sur un service admin, sur un service comptable et financier, et aussi le lien avec ce que peut porter l'opérateur ou pas. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aviez estimé appréhender, ou est-ce que ça pose des questions aujourd'hui? Alors, on ne l'avait pas forcément évoqué. On avait une OPA qui a duré un peu plus de 5 ans. On a eu en plus une prolongation exceptionnelle de l'ANA à l'époque.
qui demande, enfin, où on avait beaucoup de dossiers en volume. Donc, moi, j'étais déjà présente à l'époque, donc j'avais en charge ce suivi de l'OPA. Là, on est passé sur un dispositif où on a un peu moins de volume. C'est différent. Ça demande aussi beaucoup de travail, de lien avec l'opérateur, avec la ville. Va se poser la question, peut-être, oui. Voilà, avec une OPA sur l'ensemble du territoire, plus les secteurs d'intervention. Voilà, c'est quelque chose qui a été posé dans le cadre de l'élaboration du PLH. Maintenant, bah, ce sera une décision d'élu. Voilà. Ouais, bah, super. Mais je dirais qu'après, ça a un impact aussi. Alors là, sur les services comptabilité, je dirais que l'OPA, où on a fait plus de 800 logements, donc le service comptabilité avait un travail important. Là, on voit bien qu'on est sur des volumes qui sont différents. Eh bien, merci beaucoup. Et je remercie également Hélène Morvan qui est une petite bible d'informations sur le chatter en même temps qu'on fait intervenir nos différents intervenants. Je vous remercie. Je vous répète que du coup, tout ce que vous avez présenté sera bien fourni et que vous pouvez continuer à échanger sur le fil de discussion avec ceux qui avaient encore des questions. Et j'introduis donc la dernière intervention, celle de Bernion Trégor dans les Côtes d'Armor, donc une OPARU avec un partenariat engagé pour l'habitat privé en centralité. Et je vais donc demander à Rosane Aloiteau, qui est responsable du service Habitat de Lannion-Trégor Communauté, et à Pauline Marois, qui est responsable urbanisme de la ville de Lannion, de se connecter et de lancer leur présentation. Est-ce que vous êtes là, mesdames? Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, vous me guidez pour passer les diapositives. D'accord. Oui, donc là, du coup, on va vous présenter notre OPA Renouvellement Urbain donc, qui porte sur les centres-villes de Lannion et Tréguier, donc une OPA RU multisite et qui concerne en fait les deux pôles urbains de notre territoire, donc deux pôles urbains au sens de notre SCOT. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une cohérence à s'engager sur une OPA RU multisite pour ces deux villes. Donc c'est vrai que c'est un partenariat vraiment étroit entre l'EPCI et les deux villes. Donc, on va peut-être la slide suivante. Alors, excusez-moi, juste en amont aussi quand même de notre intervention, excusez notre vice-président à l'Habitat, la Guiret Caran, qui devait vraiment être présent, mais qui est convoqué au fait au Sénat pour une commission d'enquête justement sur la politique de rénovation énergétique du bâti ancien et donc pour témoigner. Vous rappelez le contexte d'émergence de cette OPA RU. Hein. Donc, les villes de Lannion et Tréguier en fait, étaient vraiment engagées depuis 2018 vraiment sur une réflexion globale sur la stratégie urbaine à l'échelle de leur ville et plus spécifiquement des centres-villes. Donc, puisqu'elles avaient donc été retenues notamment par exemple, la candidature du programme Dynamisme de Ville de Bretagne apportée par la région dès 2017 et 2019. Et surtout, donc, elles ont élaboré un schéma de référence, Lannion 2030 et Tréguier demain, avec vraiment des ateliers de coproduction avec les habitants, avec voilà, une réflexion globale sur leur stratégie urbaine. Et juste pour finir sur ce contexte, la ville de Lannion est retenue et donc Action Cœur de Ville depuis 2018. Et Tréguier est labellisée Petite Ville de Demain depuis 2020. Et donc, les deux villes sont intégrées dans le cadre d'une ORT communautaire. Sur le volet plus spécifique de l'habitat, c'est vrai qu'il y avait vraiment un constat partagé d'un affaiblissement de l'attractivité de ces deux centres-villes, donc avec un délaissement de l'habitat ancien, notamment au profit de la périphérie, et avec des logements donc, qui ne répondaient plus aux critères d'habitabilité et aux besoins de la population, avec donc, notamment par exemple, un nombre important de petits logements, avec donc, des habitats un peu dégradés,
avec, par exemple, un constat un peu aussi de parc social de fait sur les centres-villes, au vu aussi d'indicateurs de précarité. Une diminution de l'offre de services et de commerce en centre-ville. Et aussi donc, un patrimoine bâti qui se dégradait. Puisque oui, les villes de Lannion et Tréguier ont quand même aussi une richesse patrimoniale avec donc, plusieurs bâtiments d'intérêt historique et aussi beaucoup d'immeubles à pans de bois. Donc vraiment un enjeu aussi de préservation et de valorisation de ce patrimoine. Et donc, dans ce contexte, une étude préopérationnelle d'OPA Renouvellement Urbain donc, a été lancée en 2018-2019. Donc, il a vraiment confirmé ce constat et permis vraiment de bâtir un programme et d'intervention et a confirmé d'ailleurs donc vraiment l'intérêt de lancer une OPA Renouvellement Urbain. Donc, cette convention donc, a été signée donc, en janvier 2020. Donc, entre LTC qui porte vraiment l'OPA RU, mais vraiment en partenariat très étroit, donc bien sûr avec les villes de Lannion et Tréguier. Et autrement, dans les signataires, on avait aussi la Caisse des dépôts et consignations, donc qui a apporté aussi un soutien. Voilà, peut-être passer la slide suivante. Donc, au niveau des périmètres, donc, pour ce qui est de Lannion, on est vraiment aussi sur le cœur de ville, mais qui intègre aussi les enjeux un peu structurants identifiés, notamment dans Lannion, dans le cadre de Lannion 2030. Donc, avec l'allée verte, il y a l'aménagement des quais. Alors, l'ancien collège aussi qui est en bordure de ce périmètre. Donc, autrement, sur Tréguier, c'est vrai qu'au niveau du périmètre, ça rejoint vraiment le périmètre du site patrimonial remarquable, donc SPR, puisque Tréguier dispose d'un SPR. Voilà, et autrement, au niveau de l'ampleur, sur le centre-ville, le périmètre de Lannion représente à peu près 18% des logements de l'ensemble de la ville de Lannion. Et Tréguier, par contre, on était plutôt à 51%, parce qu'on est la commune de Lannion de Tréguier est plus sur un périmètre plus resserré. Donc, juste dire aussi que ces deux périmètres d'OPA RU sont intégrés, bien sûr, dans des périmètres d'ORT plus larges. Voilà, donc c'est vraiment des secteurs d'intervention de l'ORT communautaire. Donc, sur 5 ans, donc cette OPA RU donc de 2020 à 2024 prévoyait la réhabilitation de 177 logements, donc avec donc des logements propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et quelques copropriétés, et le ravalement de 140 immeubles. Puisqu'on va le présenter plus tard, donc dans la convention, dans le programme d'intervention, les deux communes et les LTC se sont engagés à une campagne de ravalement obligatoire. Peut-être juste préciser aussi donc, sur les objectifs de réhabilitation de 177 logements. C'est vrai qu'il y a quelques copropriétés identifiées, mais c'est vrai qu'on est plus sur de la monopropriété en fait, et plutôt des petits logements. Voilà, au niveau des périmètres. Ou peut-être, oui, juste dire aussi, pardon, excusez-moi, à l'échelle des périmètres, c'est vrai qu'il y avait aussi l'identification d'îlots stratégiques que vous voyez en rouge. Donc, c'est vrai que c'est l'idée, dans le cadre de l'OPA RU aussi, d'intervenir pas qu'à l'échelle du logement, mais à l'échelle d'îlots. Et donc, l'étude préopérationnelle avait permis d'identifier des secteurs stratégiques. Donc avec au niveau du positionnement stratégique, mais aussi au vu d'indicateurs de dégradation et des situations bloquées pour lesquelles il y avait besoin vraiment d'interventions renforcées. Voilà, peut-être la slide suivante. Donc vous dire donc globalement au niveau du contenu de cette OPA renouvellement urbain. Donc, il y a, donc, comme toutes les OPA RU, un volet incitatif et un volet coercitif.
Alors, sur le volet incitatif, donc il y a l'idée d'un accompagnement vraiment renforcé avec un opérateur. Donc, c'est vrai que c'est l'idée là aussi qui a vraiment motivé aussi à s'engager en une OPA RU, c'était de ne pas vraiment d'aller vers les propriétaires et pas être juste dans l'attente que les propriétaires contactent donc, notre espace France Rénov, puisqu'en fait, oui, sur l'ensemble de notre territoire, le territoire de LTC est déjà couvert par un PIG, un programme d'intérêt général, donc avec donc habitat indigne, précarité énergétique et adaptation au logement. Donc, on avait déjà sur l'ensemble du territoire, on va dire, une politique incitative assez structurée, avec donc aussi un travail étroit entre nos opérateurs ANA et notre point Info Habitat, qui est aussi un guichet unique Habitat et labellisé Espace France Rénov. Mais l'idée de lancer l'OPA renouvellement urbain sur nos deux pôles urbains, c'était en effet donc d'aller vraiment vers les propriétaires avec une ingénierie renforcée, donc d'identifier vraiment les situations bloquées et faire vraiment plus ce travail de dentelle et vers l'identification de situations bloquées ou de bâtis très dégradés qui nécessitaient une intervention renforcée. Autrement, donc c'est vrai qu'il y a bien sûr dans le cadre de l'OPA RU, on mobilise les mêmes aides incitatives que dans le cadre de notre PIG, avec donc aussi des aides complémentaires de LTC. Des communes et pour ce qui est de Lannion qui est Action Cœur de Ville, des aides d'Action Logement. Donc, qui, notamment, c'est vrai que les aides d'Action Logement pour les propriétaires bailleurs ont permis quand même de aussi, enfin, ne sont pas négligeables pour permettre d'aboutir à des opérations en fait et à des plans de financement intéressants. Et autrement, donc sur le volet incitatif, aussi les deux villes de Lannion et Tréguier ont créé une prime de sortie de vacances. Donc là, c'est une aide de 3 000 euros en fait, pour les logements vacants depuis plus de 3 ans. Et avec l'idée donc, d'une taille minimum de logement de 50 mètres carrés. Parce qu'en effet, l'étude préopérationnelle avait montré un nombre important de petits logements dans les centres-villes. Donc, c'est vrai que c'est aussi l'idée de plus de mixité de population et de produits de sortie. Donc, voilà, sur ce volet incitatif, c'est vrai qu'il y a aussi vraiment un partenariat très étroit et très régulier entre les communes, enfin, les services et les élus des communes, notre opérateur. Et LTC, notamment à travers le point formation Habitat. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une dynamique. Autrement, voilà, sur le volet coercitif, il y a donc, comme je l'évoquais, le lancement d'une campagne de ravalement obligatoire. Parce que, avec notamment l'enjeu du patrimoine et de nos immeubles à pans de bois. Donc, il y a eu 78 immeubles ont été donc, identifiés à Lannion et 62 à Tréguier. Cette campagne de ravalement, c'est vraiment sur des immeubles ciblés, donc ont été ciblés notamment dans le cadre de l'étude préopérationnelle. Et donc, il y a à la fois des aides importantes pour les propriétaires, mais aussi une obligation en fait, de ravalement. Donc, ça, il y a vraiment les deux volets. On présentera un peu plus en détail plus tard. L'autre grand volet de l'OPA RU, donc, c'est la mise en œuvre d'opérations de restauration immobilière. Donc, sur 11 immeubles à Lannion et 13 à Tréguier. Donc, là, on s'est engagé donc, dans ces opérations de restauration immobilière et on présentera un peu plus tard. Donc, c'est vrai que là, on est au début des enquêtes parcellaires. Deux opérations de restauration de l'habitat insalubre, donc un à Lannion, un à Tréguier. Et autrement, la mise en œuvre du permis de louer, donc sous le régime de la déclaration. Donc là, c'était l'idée de lutter contre l'habitat indigne en mettant en place ce régime de déclaration donc pour tout propriétaire d'une résidence principale
qui est mis en location. Donc, ils doivent remplir un formulaire CERFA et donc le déposer aux mairies avec une série de documents. Donc là, c'est LTC qui a instauré ce permis de louer donc, dans le cadre de sa compétence habitat, mais qui a délégué la gestion aux communes. Donc là, c'est vrai que ce permis de louer, alors c'est vrai qu'on l'évoquera peut-être un peu plus tard aussi, mais c'est vrai que c'est l'enjeu vraiment de l'animation et du contrôle. Donc c'est vrai que on a là à peu près 65 propriétaires là, qui ont déclaré, qui ont déposé un régime de déclaration par exemple en 2022, mais c'est vrai que ce n'est pas sûrement pas a priori l'ensemble des locations. Donc ça, il y a l'enjeu du contrôle. Et enfin, le dernier point, c'est la mobilisation des pouvoirs de police du maire. Donc là, c'est tous les pouvoirs donc, en matière de lutte contre l'habitat indigne et insalubre. Donc ça, c'est l'enjeu aussi en s'appuyant notamment sur l'opérateur, vraiment de mettre en place un peu tous les, par exemple, les arrêtés nécessaires. Donc ça, c'est voilà, tout ça. En fait, il y a vraiment un équilibre entre volet incitatif et volet coercitif pour vraiment lancer la dynamique locale, puisque c'est à la fois des soutiens financiers, mais aussi au niveau des, par exemple, des pouvoirs police du maire ou de tous les outils coercitifs, d'être aussi dans la vigilance et le suivi des propriétaires. Donc voilà. Donc au niveau des premiers éléments de bilan, puisque donc la LOPARU a démarré en janvier 2020, donc là on est un peu plus de 2 ans. Donc ce qui ressort, c'est vrai qu'il y a donc on a eu donc 225 logements visités. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un nombre, enfin vraiment une dynamique qui est engagée. Donc ça, c'est vrai que sur les deux villes, on voit qu'il y a vraiment une, même en termes de chantier, de travaux engagés ou d'investisseurs aussi qui s'intéressent aux deux centres-villes, on voit qu'il y a vraiment une dynamique. Maintenant, c'est ça qu'il faut vraiment distinguer en termes de, voilà, de tous les projets, en fait, ne vont pas passer par des conventionnements ANA, en fait, parce que c'est vrai que si on regarde les chiffres vraiment de logements aidés, il peut paraître assez faible, hein, parce qu'on voit, on est à 26 logements améliorés. Mais c'est vrai que, au vu des échanges avec les deux villes, je pense qu'il y a les logements qui peuvent être aidés par l'ANA, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les projets qui peuvent se faire en dehors des aides de l'ANA et qui peuvent aussi se mettre au crédit, je pense, de la dynamique d'OPA-RU. Puisque, alors c'est vrai que ça a pu être évoqué par les autres intervenants, c'est vrai qu'on a, pour les aides aux propriétaires bailleurs, c'est vrai qu'on a les aides, Loc Avantage, mais qui sont assez faibles. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de convaincre les propriétaires bailleurs de conventionner avec l'ANA. C'est vrai qu'on a quand même plusieurs propriétaires qui vont plutôt partir sur du logement locatif libre. Mais voilà, mais après, c'est vrai qu'on a fait aussi le choix au niveau de l'ingénierie, où notre opérateur accompagne en fait l'ensemble des propriétaires en amont, leur donne aussi bien sûr tous les éléments liés aux aides, l'intérêt de conventionner aussi avec l'ANA, le dispositif de Normandie. Voilà, mais c'est vrai qu'après, certains propriétaires peuvent faire d'autres choix. Donc c'est vrai qu'aussi au niveau de la dynamique, on voit que ça, la campagne de ravalement aussi apporte aussi est non négligeable dans cette dynamique, puisque on a 43% des logements visités qui sont liés à la campagne de ravalement ou au volet aussi lutte contre l'habitat indigne. Donc voilà, vous voyez aussi, on a mis le camembert avec les différentes thématiques des visites réalisées. Il y a quand même 40% de projets qui concernent de la rénovation globale. Donc on est à peu près à mi-parcours sur cette OPA-RU de 5 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu aussi l'épisode du Covid qui a un peu ralenti.
Donc voilà, on pense voilà, qu'on sera forcément amené à la prolonger. Et puis même pour les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur d'autres territoires, on trouve souvent plusieurs OPA-RU pour vraiment conforter la dynamique. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même plusieurs, on va dire, situations. Parce que là, on était aussi dans le cas d'une OPA-RU sur des situations bloquées. Enfin voilà, on identifie quand même des problématiques d'habitat dégradé complexes et depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que l'on voit que voilà, certaines situations évoluent favorablement. Voilà, peut-être même le slide suivant. Et après, voilà, on voulait zoomer en fait sur la campagne de ravalement et l'opération de restauration immobilière. Voilà, donc dans notre témoignage. Alors, je vais peut-être passer la parole à Pauline Marois. Je prends le relais, merci Rosane. Bonjour à tous, donc Pauline Marois, responsable de l'urbanisme à la ville de Lannion. Je n'ai pas la prétention de remplacer Guira Caron, mais j'ai témoigné pour la partie Ville de Lannion sur les deux outils spécifiques qu'on a mis en place dans le cadre de l'OPA, sur la campagne de ravalement et puis l'opération de restauration immobilière. Donc la campagne de ravalement, là on vous a mis les deux cartes pour Lannion et puis pour Tréguier, des adresses qui ont été identifiées pour cette campagne. Les immeubles ont été sélectionnés selon différents critères, déjà leur état, hein, est-ce qu'ils étaient plus ou moins sales au sens strict du ravalement, et puis est-ce qu'ils nécessitaient aussi d'autres interventions, le principe de la campagne étant de profiter finalement d'une obligation de ravalement pour intervenir sur d'autres postes qui sont permis par la mise en place d'un échafaudage. Donc à Lannion, ça a abouti à 78 immeubles identifiés sur des axes bien précis. On a des propriétaires qui se manifestent sur d'autres rues. Pour l'instant, on n'a pas donné suite, on n'a pas modifié le périmètre de la campagne de ravalement. Et c'est vrai qu'au regard du bilan, on se dit que déjà, si on pouvait arriver au bout de cette campagne, au bout de ces adresses-là, ce serait déjà une bonne chose. On a 22 projets de ravalement, donc 14 en phase travaux et 8 en phase études. Ces résultats, ils témoignent de la difficulté qu'on a eue avec la mise en place avec le lancement de cette campagne en mars 2020. Donc, en termes de calendrier, vous voyez à peu près ce que ça donne par rapport à la période du Covid. Très clairement, on a beaucoup de visites au moment de propriétaires ou de copropriétés qui se manifestent pour avoir un aperçu de ce qui va être attendu et pouvoir prendre connaissance des préconisations qu'on leur fait par rapport au ravalement. Derrière, beaucoup de difficultés à obtenir des devis. Ça commence à être un peu plus simple, mais on a eu des difficultés et des délais de l'ordre de 6 mois à 1 an pour obtenir des devis pour les différents postes à prévoir en termes d'intervention sur leur façade. Donc, énormément de visites, mais peu de résultats en termes de projets finalisés. Et puis, une question de disponibilité des artisans qui, pour l'instant, a été un vrai frein dans la campagne. Un autre frein aussi qu'on constate à Lannion, c'est pour les copropriétés ou la nécessité d'avoir plusieurs devis pour comparer rend l'exercice encore plus difficile avec ces questions de délai des artisans et une difficulté aussi de fonctionnement des copropriétés qui est un peu mis au jour via la campagne de ravalement, notamment sur des bâtiments à caractère patrimonial sur lesquels on a une attente d'autant plus importante qu'ils sont classés parfois aux monuments historiques ou inscrits. Une succession de difficultés qui nous amène à ce résultat. On a quand même pris le parti d'informer largement au début de la campagne de ravalement l'ensemble des propriétaires concernés qui avaient quand même répondu présent en septembre 2020. On se tient à leur disposition pour les accompagner au mieux
On a déjà des chantiers qui sont en cours d'achèvement, donc qui permettent aussi de rendre visibles finalement les résultats. Donc là, on a plusieurs chantiers en cours qui devraient se terminer d'ici un mois. Donc on espère aussi que ça fera un peu, ce sera moteur pour les propriétaires qui ont un peu plus de mal à mettre le pied à l'étrier. Voilà pour la campagne de ravalement. Oui, vas-y Rosane, je t'en prie. En complément, peut-être juste dire cette campagne de ravalement, en fait, elle a été pensée avec une phase, on va dire, incitative avec des aides de LTC et des communes non négligeables, parce que c'est 25%, un taux de 25% côté LTC et 25% pour chaque ville, donc ça fait une aide de 50% des travaux. Donc, ça, c'est la phase incitative. Et après, elle a été pensée, on n'y est pas encore, parce qu'on a vers une phase plutôt d'injonction, où là, les aides diminueraient. Mais il y a toujours, bien sûr, cette obligation de ravalement. Et pour aller à terme, alors l'idée, bien sûr, c'est de ne pas aller jusque-là, mais sur des travaux d'office pour les propriétaires qui n'auraient pas fait les travaux. Puisque là, on s'appuie aussi pour lancer cette campagne de ravalement sur le fait que tout propriétaire, ça c'est valable partout, a l'obligation de ravaler sa façade tous les 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on va dire les travaux d'office porteraient vraiment sur l'entretien de la façade. Quoi. Normal, ce serait, c'est pas l'idée de… On ne peut pas… faire des travaux d'office qui porteraient sur vraiment un ravalement lourd de la façade, mais on peut quand même aller sur un ravalement qui permette de préserver le bâti. Et juste pour finir sur la campagne de ravalement, l'intérêt aussi, c'est que ça permet aussi d'aller aussi vérifier l'intérieur des logements, parce qu'il ne peut pas y avoir d'aide au ravalement si on est dans le cadre d'un habitat dégradé ou indigne. Donc, c'est vrai que l'opérateur… C'est aussi un moyen de mieux connaître le centre-ville à travers la campagne de ravalement pour faire un audit plus global du bâti. Ce n'est pas un ravalement de façade extérieure, enfin, simple. Quoi. Voilà. Je poursuis sur peut-être l'opération de restauration immobilière rapidement. Donc là, un détail des adresses concernées pour les communes de Tréguier et de Lannion. Sur la mise en place de l'ORIN, pour l'instant, peut-être qu'on peut passer directement à la slide suivante, je crois qu'il y a le calendrier pour qu'on voit un peu l'ensemble de la procédure. C'est une procédure quand même assez complexe. On a l'opérateur qui a préparé les dossiers de déclaration d'utilité publique dans le courant de l'année 2021, qui les a déposés en fin d'année 2021, début 2022 pour Lannion. Donc, c'est vrai que le fait qu'on soit sur deux sites, deux communes, ça oblige pour la procédure d'ORI à avoir un dossier pour chaque ville. On avait fait le choix quand même en amont, avant de déposer le dossier de DUP, d'inviter l'ensemble des propriétaires à une réunion publique pour chaque commune. Donc pour la ville de Lannion, mais je crois que c'était à peu près dans le même pas de temps pour Tréguier, ça a été fait au premier trimestre de l'année 2021. Avant de prendre la délibération qui pour le dépôt du dossier de DUP. Ça nous a permis de mobiliser très en amont l'ensemble des propriétaires. Donc pour Lannion, ils ont tous répondu présents. On avait organisé une visio aussi pour les personnes qui n'étaient pas sur place. Ça nous permettait déjà de les sensibiliser à ce qui allait arriver. Je pense que ça a aussi permis de gagner du temps, on va dire, par rapport à la phase d'animation maintenant que les dossiers ont été déposés et que les enquêtes publiques ont eu lieu. Et d'identifier tout de suite aussi les propriétaires avec lesquels il y aurait peut-être plus de difficultés pour arriver à des travaux. Les enquêtes publiques ont eu lieu dans le courant de l'année 2022. Pour la ville de Lannion, c'était
en juin l'année dernière, il y a à peu près un an. Donc là, je vais parler que de la ville de Lannion. On a eu notre arrêté de DUP au mois d'octobre, notre arrêté préfectoral. Donc là, depuis le mois d'octobre, on est en phase d'animation. L'opérateur urbaniste échange, on va dire, de manière plus concrète avec les propriétaires des adresses ciblées. On se prépare à lancer pour la ville de Lannion l'enquête parcellaire au troisième trimestre de cette année. Donc, on se laisse encore un peu de temps pour cette phase d'animation, sachant que sur la slide qu'on voyait juste au-dessus, on a à peu près, c'est pas quatre, mais c'est trois immeubles sont dynamiques. Enfin, en gros, on est voilà, sur un tiers d'immeubles sur lesquels, un quart, pardon, d'immeubles sur lesquels on sait qu'on va avoir des difficultés. Que dire d'autre non sinon qu'est-ce que je vais dire sur le peut-être, ouais. Oui, je peux peut-être juste en complément donc une opération de restauration immobilière en fait ça permet à travers une enquête publique et après et un arrêté de DUP de cibler une liste d'adresses d'imposer en fait des travaux aux propriétaires. Donc, dans le cadre de l'enquête publique, on liste pour chaque parcelle un programme de travaux et un calendrier. Et après, ces propriétaires, dans le cadre de cette ORI, peuvent soit faire les travaux, soit c'est un peu aussi la majorité. Soit peuvent vendre aussi, puisqu'ils ne sont pas en mesure, par exemple, de faire les travaux. Et c'est ce qui a été aussi constaté hein, sur les deux centres-villes. Certains propriétaires ou certaines situations bloquées se sont débloquées à travers des ventes. Et après, c'est vrai qu'à terme, pour les propriétaires qui ne souhaitent pas faire des travaux ou qui ne vendent pas, les villes peuvent aller à l'expropriation. Donc, en s'appuyant justement sur ces procédures d'ORI et de DUP. Et c'est vrai que dans les estimations, on va dire, financières là, de la convention au PRU, avec l'opérateur, on était peut-être sur des hypothèses de 30%, mais voilà, à voir aussi si ça va se confirmer. Là, on voit, par exemple, sur la ville de Lannion, on est peut-être plutôt à 25%, donc de situations qui restent bloquées où il faudra peut-être aller jusqu'à l'expropriation, quoi. Et puisque un propriétaire a ce qu'on appelle un droit de délaissement, en fait. Et donc, après, bien sûr, il y a une estimation du prix d'achat fixé. Sachant que tout au long de la procédure aussi d'ORI, à tout moment, il peut y avoir aussi des acquisitions à l'amiable. Quoi, aussi. J'ai mis votre dernière slide. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou, vu que le temps file, est-ce que je vous pose des questions ? Non. On est bon. Alors, juste rapidement sur les perspectives. On était donc sur nos PRU multisites, là, sur nos deux pôles urbains. Et c'est vrai qu'on a deux autres communes qui viennent d'être labellisées petites villes de demain, donc Plestin-les-Grèves et Ploirette. Pour lesquelles la question aussi s'est posée peut-être d'intégrer cette OPRU. Et on a finalisé une étude préopérationnelle. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est de travailler plus étroitement sur leur enjeu d'habitat. Et donc voilà, à voir si ce sera dans le cadre de l'OPRU multisite ou par d'autres actions. Et donc ces deux petites villes sont aussi dans l'ORT communautaire. D'accord. Voilà, et puis après, si on l'avait évoqué, hein, on sera sûrement sur un renouvellement d'OPRU. Il y a peut-être l'idée, a priori, vu des échanges avec les services de l'État, on pourrait déjà prolonger d'un an notre OPRU du fait de la période Covid. Mais après, il y aura peut-être, très probablement, la sollicitation d'une deuxième OPRU. Eh bien, merci pour ces perspectives. On avait une question d'Antoine Roux qui est assez classique, a été posée sur les dernières interventions, sur le montant de l'étude préopérationnelle de l'OPA RU Multisite. Est-ce que vous vous souvenez Alors, oui, on était, alors bien, comme
comme les autres OPAERU, il y a une part forfaitaire et une part variable. Alors, de mémoire, on est à peu près à 150 000 euros par an si on est avec, si on atteint l'ensemble de nos objectifs variables. Et de mémoire, la part forfaitaire, elle est à un peu plus de 30 000 euros hors taxe. D'accord. Voilà. Hélène Morvan, qui vous félicite déjà d'avoir créé ce type de dynamique, avait une question pour tous les intervenants, mais je vais la poser à vous, sur l'estimation du nombre de ravalements. Est-ce qu'il est fait uniquement au regard de la possible intervention de l'ANA ou sur l'ensemble du périmètre concerné? Et en corollaire, est-ce qu'à ce sujet, les périmètres d'opération de ravalement de façade et d'OPARU sont les mêmes? Non. Alors, en fait, déjà, pour la campagne de ravalement, c'est vrai que ça a été vraiment au vu de l'état, enfin de l'identification de chaque bâti au vu d'un diagnostic fin, où on s'est appuyé notamment sur l'architecte du patrimoine de l'opérateur, mais aussi en partenariat étroit avec l'ABF et les communes. Donc c'est vrai que c'est un travail de terrain en fait, de repérage étroit de l'état des façades. Et donc, il y a eu des fiches conseils élaborées pour chaque façade concernée, qui est après remis au propriétaire. Et donc, du coup, oui, et aussi en complément, c'est aussi dans des rues stratégiques. Il y a eu vraiment l'idée, à l'échelle du centre-ville, d'identifier les rues stratégiques et dans ces rues stratégiques, d'identifier les façades qui avaient vraiment besoin d'une protection et d'un ravalement, quoi. Donc, ça n'a pas été vu au vu de considérations financières ou de contraintes de l'ANA. Je voulais remercier Nathalie Gendron qui a donné plein de petits éléments de précision sur comment ça se finance l'ingénierie vis-à-vis de l'ANA. Donc, je laisse chacun lire le fil de discussion et on fournira ça dans la fiche de capitalisation de ces rencontres. Corinne Legrand se demandait… quelle était la part des monopropriétés et est-ce que ça influence a priori sur comment ça peut être un frein ou un levier à la mise en place d'une OPARU? Alors, au niveau des chiffres, c'est vrai que de mémoire, dans l'étude coopérationnelle, c'était plus de 80% des immeubles qui étaient en monopropriété, hein, donc plutôt des petits logements en effet collectifs, mais dans des monopropriétés. Et au niveau des objectifs de l'ANA, c'est vrai que de mémoire, il n'y avait que 14 à 20 logements, en fait, sur les 177 qui étaient en copropriété. Donc, vous voyez quand même, on est sur deux centres-villes avec certes quelques copropriétés, hein, mais c'est vrai qu'une majorité de monopropriétés et plutôt de petits propriétaires, enfin, Pauline en parlerait mieux, mais avec souvent des commerces en rez-de-chaussée et avec des étages et… où l'ensemble du bâti appartient au même propriétaire, quoi. Donc, après, je ne sais pas si tu veux compléter, Pauline, au niveau… Non, tu fais bien de préciser la question aussi de ces monopropriétés où, effectivement, le commerce et les étages sont liés avec une problématique d'accès aux étages qui rend souvent les étages inutilisés. Dans le centre ancien, dans l'hypercentre, quoi. Après, moi, de ce que je vois hein, de la progression de l'OPA, c'est quand même plutôt le facteur copropriété qui constitue un frein aujourd'hui à l'action, voilà, dans la mesure où ça nécessite une animation spécifique de la part de l'opérateur, des délais beaucoup plus longs aussi pour prendre des décisions, et puis toujours la question de la capacité de l'ensemble des copropriétaires à voilà, s'acquitter du montant des travaux qui ont été votés. Donc, pour moi, finalement, l'aspect monopropriété est peut-être moins… moins bloquant que le cas d'une copropriété. Et juste petite précision, la question elle portait sur le coût de l'étude pré-opérationnelle plus que de l'animation de l'OPA. Ouais. Oui, alors sur l'étude pré-opérationnelle, je crois qu'on était, alors c'est pas de mémoire, je crois que c'est autour de 50 000 euros, l'étude 50 à 60 000 euros, je crois.
Très bien. Et dernière petite question, vu qu'on arrive presque à midi, sur le permis Douai, il y a plusieurs réactions de plusieurs personnes sur, quelque part, le fait que ce soit un outil efficace ou pas, compte tenu du temps pour le mettre en place, l'organisation qu'il y a derrière. Est-ce que vous pouvez avoir des premiers éléments de bilan ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait encore un besoin de contrôle? Je laisserai peut-être Pauline compléter. Juste dire peut-être que cet outil a vraiment été vu pour l'idée de repérer des situations d'habitat indigne. Comme on ne l'a pas dit aussi, on a aussi dans le cadre des DIA la même action d'aller visiter les logements. Donc on peut visiter les logements avec notre opérateur pour poser un diagnostic dans le cadre des DIA, mais aussi ça peut être aussi dans le cadre du permis de louer. En fait, l'idée c'était le propriétaire doit déposer un formulaire CERFA avec différents documents et on peut demander à ce propriétaire d'aller visiter le logement si au vu des documents remis, il y a une suspicion d'habitat indigne. Donc voilà, c'était la logique globale et on est parti en déclaration parce qu'il y a un autre régime qui est plus fort, qui est l'autorisation. Ça où le propriétaire, avant de mettre en location, a l'obligation d'avoir une autorisation de la ville. Bon, là, c'est le régime de la déclaration. Je te laisse Pauline compléter peut-être sur le bilan. Oui, je voyais pas mal de questions effectivement des participants sur le bilan. Effectivement, comme le disait un participant, c'est pas forcément nous, c'est pas très satisfaisant au regard du temps passé, de ce qu'on essaye de contrôler en termes de non-déclaration. On a fait pas mal de veilles sur le Bon Coin, on a arrêté parce qu'on a d'autres activités au sein du service et que clairement c'était pas forcément payant en termes de dossiers déposés. Pour nous, c'est pas l'outil idéal. Voilà, on a fait quelques visites grâce à des déclarations qui ont été faites, mais ça reste moins performant selon nous qu'une autorisation. Et on n'a pas forcément non plus de soutien massif de la part des acteurs de l'immobilier sur le territoire, pour le dire comme ça. Eh bien, merci. On n'a pas encore trop de recul, mais juste dire qu'on vient de signer aussi une convention avec la CAF. Voilà, pour l'accès en fait à leurs fichiers, puisque les propriétaires aussi peuvent percevoir les appels directement. Donc voilà, on n'a pas encore de recul sur ce partenariat. Bon, c'est super, ça permet d'y voir plus clair. Il y a beaucoup d'échanges dans le fil de discussion et je remercie les anciens intervenants de continuer à avoir le joie de jeu de répondre aux différentes questions posées pour qu'on ait des avis des trois retours d'expérience. On arrive à la fin de ce cycle-là de rencontres destinées aux OPA. Je vais relaisser la parole à Nathalie pour conclure sur où est-ce que vous pouvez retrouver tous ces supports, tout l'historique des trois dernières années de rencontres et quelles seront les prochaines rencontres qui sont programmées d'ici la fin de l'année. Et je vous remercie tous de votre participation, spécifiquement les intervenants évidemment, mais aussi tous les personnes qui se sont connectées, vu qu'on est monté jusqu'à 150 personnes au sommet de la participation. Donc c'est toujours appréciable de voir que les sujets qu'on met sur la table intéressent, et puis j'espère évidemment que beaucoup de territoires vont s'emparer de cet outil très pratique et plutôt bien financé de l'ANA pour traiter la problématique de la rénovation du parc bâti diffus du privé sur leur territoire. Nathalie, je te laisse la parole pour conclure. Merci Simon, je vais faire ça très rapidement pour conclure le webinaire et vous permettre d'aller déjeuner. J'espère que ce webinaire vous aura effectivement permis de nourrir vos réflexions territoriales en matière d'amélioration de l'habitat privé en centralité. J'ai noté dans le fil de discussion que c'est déjà effectivement le cas du côté de Château-Lamp-les-Bains et nous en sommes en tant que partenaires ravis. Au nom des partenaires, je remercie encore les différents témoins qui ont accepté de partager leur expérience, leurs difficultés et leurs réussites. Et la fiche de capitalisation du webinaire sera bientôt disponible. Pour retrouver tous les éléments de capitalisation, vous pouvez retrouver les replays directement sur la chaîne YouTube Les Territoires Innovants Bretagne. Et vous pouvez également accéder à l'ensemble des capitalisations, c'est-à-dire les interviews qu'on peut faire, les fiches de capitalisation et autres dossiers que nous pouvons réaliser selon les thématiques sur les plateformes dédiées, celles des territoires innovants pour les centres vivants et pour un foncier responsable sur l'espace LIAM de la région Bretagne, pour laquelle il faut faire une demande d'inscription auprès de territoireinnov@bretagne.bzh. Mais également sur le site internet de la DREAL Bretagne,
Une page dédiée aux capitalisations de les territoires innov est également disponible. Alors, je ne vois pas le lien sur la diapo, Simon, mais ça doit être voilà, sur la dernière peut-être. Et je fais juste un petit focus. Cette année, nous nous sommes engagés au niveau partenariat régional des territoires innov dans un partenariat un peu étendu avec l'association Brudel, ce qui nous permet d'articuler nos webinaires avec le cycle de rencontres que cette association d'élus porte. Cycle de rencontres qui est constitué de visites de sites et d'un atelier de réflexion sur le renouvellement urbain et la densification des centres-bourgs. Vous avez à l'écran les dates des rencontres qui sont prévues et visites de sites. N'hésitez pas à vous y inscrire. Les informations sont disponibles sur le site internet de Brudel et également sur la page internet dédiée au territoire innov sur le site de la Dreal Bretagne. Donc, le prochain webinaire des cycles d'animation Les territoires innov portera à nouveau sur le logement. Il aura lieu le 11 juillet prochain matin, portera sur les offices fonciers solidaires et les baux réels solidaires au service du logement abordable. C'est là notre sujet. Vous recevrez très prochainement l'invitation programme pour vous permettre de vous y inscrire. Et nous vous proposerons en octobre et en décembre deux sujets sur la sobriété foncière tournés vers le zéro artificialisation net. Le premier est tourné sur la question de l'opportunité de repenser le foncier économique en Bretagne et celui de fin d'année sur l'observation pour mieux agir sur l'artificialisation.